colleagues. Chers collègues, je vous demanderai de bien vouloir prendre place, de bien vouloir insérer vos cartes de vote. Je souhaiterais vérifier. Nous avons le quorum encore. Merci. Uh,
We're still a little... Il nous reste encore quelques parties manquantes pour réunir le quorum. Mesdames et messieurs les délégués, je vous invite à prendre place et à insérer vos cartes de vote afin que nous puissions commencer. Good morning. Mesdames et messieurs, bonjour. Le quorum est réuni. Nous pouvons commencer. Merci d'avoir pris place et d'être arrivé à l'heure après cette soirée assez longue de travail. Je vous remercie pour votre assiduité. Hier soir, nous avons pu bien avancer. Alors, le bureau annonce qu'il n'y a pas eu de changement dans les pouvoirs depuis hier. Je ne vais donc pas donner la parole à la présidente du comité de vérification des pouvoirs puisque nous en sommes au même point qu'hier. Ce matin, j'ai pour intention de passer en revue une série de documents de travail qui étaient prévus pour examen vendredi dernier. Nous allons commencer avec le document 11, mais avant de ce faire, je souhaiterais examiner certains des documents compte rendu résumé, avec le numéro 8 d'abord. Il s'agit donc de la session du 18 novembre et je donne la parole aux parties pour toute correction ou rectification à apporter que vous ayez pu identifier. C'est la session du matin, 18 novembre. Le Japon, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Pour comme un REC 8, à la dernière ligne de la page 1 du deuxième paragraphe, pardon, le Japon souhaiterait suggérer d'ajouter la phrase suivante, qui s'énoncerait comme suit. Le Japon a exprimé, en outre, une profonde préoccupation quant à l'application des dispositions dites des espèces semblables. Ça, c'est la première phrase. Et puis, à la page 2, à la dernière partie du quatrième paragraphe, le Japon souhaite ajouter la phrase suivante, qui s'énoncerait comme suit. Le Japon a également demandé aux parties de se remémorer l'accord trouvé lors de la COP 16, selon lequel les États côtiers sont responsables pour la conservation et la gestion des concombres de mer. Merci. Merci au Japon. Je pense que nous avons bien pris note de ces deux commentaires. Je ne vois pas d'autres demandes d'intervention.
Donc, compte tenu de ces amendements, nous adoptons ce document. Ce sera notre compte rendu de la 8e séance du comité. Comme un REC 8 est adopté tel qu'amendé. Nous passons maintenant au comme un REC 9, le compte rendu de la 9e séance du comité 1, qui a eu lieu le 18 novembre après-midi. Je vous donne la parole pour commentaires ou observations. I don't see any. Je ne vois pas de demande d'intervention. With that, we adopt. Nous pouvons donc adopter comme un REC 9 le compte rendu de la 9e séance qui a eu lieu le 18 novembre. And then the final summary record that we can. Enfin, nous examinons comme un REC 10, le compte-rendu de la 10e session du comité 1 qui a eu lieu le 21 novembre. Y a-t-il des commentaires à ce sujet ou des demandes d'intervention? Je ne vois pas de demande d'intervention. Nous pouvons donc adopter ce document. C'est notre compte rendu de la 10e séance ce jour-là. Comme un REC 10 est donc adopté. Et nous examinerons les comptes rendus à mesure qu'ils sont mis en ligne. Et en vous laissant bien entendu le temps nécessaire pour les consulter, je vous demanderai donc d'être vigilant et de vérifier les sites web pour voir les nouveaux documents qui sont mis en ligne. Un instant, s'il vous plaît. We now move on to the, Nous passons maintenant donc aux questions de fond qui nous occupent aujourd'hui. Nous allons commencer avec le document 11, le point 11, portant sur les espèces inscrites à l'annexe 1. C'est un document qui a été soumis par le comité pour les animaux et pour les plantes. Et je souhaiterais donner la parole à l'un des présidents. Je donne la parole au président du comité pour les animaux. Merci, Monsieur le Président, de me donner ainsi la parole. Comme vous l'avez dit, ce document a été soumis par le comité pour les plantes et le comité pour les animaux et je me chargerai de la présentation de ce document au nom de ces deux comités. Lors de sa COP18, la conférence des parties a adopté les décisions 18.28 et 18.29 sur les espèces inscrites à l'annexe 1. Ces décisions étaient à l'adresse du secrétariat du comité pour les animaux et le comité pour les plantes. Ces décisions ont demandé au secrétariat de mener à bien une évaluation rapide de l'état de conservation et du statut du commerce illégal et légal pour les espèces incluses à l'annexe 1. Le secrétariat devait également produire des évaluations détaillées sur l'état de conservation des menaces, pertinence du commerce, les stratégies de conservation in situ et ex situ, les plans de rétablissement et les ressources et le financement disponibles ou nécessaires pour les espèces concernées. Et troisièmement, le secrétariat devait produire un rapport identifiant les espèces à l'annexe 1 et établissant des priorités pour ces espèces qui pourraient tirer un avantage potentiel d'action future au titre de la CITES. Et le secrétariat a été invité à soumettre ce rapport aux deux comités pour examen. Le comité pour les plantes et le comité pour les animaux devaient passer en revue les résultats du rapport et formuler des recommandations pour communication aux états de l'aire de répartition et à la COP selon qu'il convient. Le secrétariat a demandé au Centre mondial de surveillance continue de la conservation de la nature du PNUE en collaboration avec l'UICN de faire l'évaluation rapide. Un groupe consultatif informel a été mis sur pied pour
aider le secrétariat. Une première liste de 31 espèces inscrites à l'annexe 1, présentant une priorité élevée, a été établie par le WCMC, conformément au paragraphe A, petit 2 de la décision 18.28. Lors de la réunion conjointe des deux comités, le secrétariat a présenté ses résultats et un critère supplémentaire a été proposé pour la sélection des espèces qui se concentrerait sur la demande d'un point de vue du commerce pour les spécimens sauvages, tenant compte de l'impact de l'élevage en captivité. Le secrétariat a également indiqué qu'une offre avait été acceptée, une offre venant de l'Université des sciences appliquées Van Hal-Larenstein des Pays-Bas. L'idée était d'avoir une participation de plusieurs étudiants sur un travail sur l'application de la décision 18.28. Cela ferait partie de leur thèse finale. Les comités ont noté qu'il ne serait pas possible d'appliquer pleinement les décisions 18.28 et 18.29 en amont de la 19e conférence des parties. Et il a été convenu de proposer donc l'extension de ces activités et des mandats dans ces décisions au-delà de la COP19. Il a également été convenu d'inviter le secrétariat à entreprendre les mesures suivantes. Poursuivre la collaboration avec l'Université des sciences appliquées Van Hal-Larenstein aux Pays-Bas pour l'analyse de la sélection des espèces inscrites à l'annexe 1, c'est d'une part, et deuxièmement, consultation avec le comité pour les plantes et le comité pour les animaux par le truchement de leur président, et en consultation avec les experts invités, de peaufiner la méthodologie et les critères pour l'évaluation des espèces inscrites à l'annexe 1, et deuxièmement, rédiger des projets de décision pour ces missions à la 19e réunion de la conférence des parties, afin de garantir la poursuite de ces travaux, y compris par le biais du développement d'une évaluation en cours pour les inscriptions à l'annexe 1, selon les dispositions de la CITES. Cependant, lors de la 31e réunion du comité pour les animaux et la 25e réunion du comité pour les plantes, le secrétariat a informé les présidents concernés du fait qu'hélas, en raison de difficultés administratives auxquelles ont été confrontés par les étudiants de l'Université des sciences appliquées, cet accord n'était plus viable. En résultat de cela, le secrétariat s'est engagé à parachever les examens détaillés des 10 espèces qui figurent dans le tableau du document, tout en haut de la page 4. À la suite des consultations avec les États de l'aire de répartition et les experts concernés, ces études de cas pourront être examinées par les comités pour les animaux et les comités pour les plantes lors de leur première réunion après la COP19. Pour ce qui est de la méthodologie et des critères, cette étude détaillée ne sera possible que lorsque les études de cas seront passées en revue par le comité pour les animaux et le comité pour les plantes. Les deux comités proposent que les projets de décision figurant à l'annexe 1 soient examinés. La conférence des parties est invitée à adopter les projets de décision tels que figurant à l'annexe 1 de ce document. Merci, Monsieur le Président. Merci au président du comité pour les animaux et je donne la parole aux parties pour leurs observations et commentaires. So I see Israel. Israël, suivi par les États-Unis. Bonjour, Monsieur le Président. Merci de nous donner la parole. Ce processus s'est amorcé il y a quelques années. La raison pour laquelle nous avons lancé ce processus, c'est qu'il y a de gros volumes de commerce qui concernent des espèces inscrites à l'annexe 1. Et selon la base de données CITES, c'est avec un code de source T, c'est-à-dire un échange à des fins commerciales et donc en infraction apparente avec la Convention. C'est ce qui a amorcé ce processus. C'est, à notre sens, un exercice très important et nous soutenons les recommandations appelant à ce que ce travail soit poursuivi, notamment pour mener à bien des analyses sur cette question. Cependant, les projets de décision à l'adresse du secrétariat sembleraient-ils ont quelque peu édulcoré l'importance ou affaibli cette importance et nous aimerions proposer des modifications. À la décision 19AA, le secrétariat produit en consultation avec les États des aires de répartition concernées des évaluations précises sur l'état de conservation, les menaces, la pertinence. Et là où on lit la pertinence du commerce, nous préférerions indiquer l'impact du commerce légal et illégal, donc en place et lieu de la pertinence du commerce.
Ça, c'est d'une part. Et à la fin de ce paragraphe du même projet de décision, on lit au moins 10 espèces sans détailler les espèces concernées. Donc, nous aimerions, à la fin, inclure au moins 10 espèces se trouvant dans le tableau figurant en annexe du document 11. Donc, les 10 espèces très exactement qui ont émané du premier examen. Donc, au moins 10 espèces listées dans le tableau au paragraphe 15 du document 11. Merci, Monsieur le Président. Thank you. Merci, Israël. Je pense que nous avons bien noté votre proposition de modification. Je donne la parole aux États-Unis, suivi par le Mexique. Merci, Monsieur le Président. Les États-Unis appuient en partie ces projets de décision amendés par le secrétariat figurant à l'annexe 1 de ce document COP19 DOC 11. Les États-Unis sont d'accord pour ce qui est du 19AA. Cependant, nous ne sommes pas d'accord avec les amendements apportés au 19B. Nous ne sommes pas d'accord avec le fait que le petit B soit biffé et nous ne sommes pas d'accord avec l'amendement porté au petit C portant sur la méthodologie et le processus de critères pour la sélection des espèces inscrites à l'annexe 1 pour examen. Ces amendements mèneraient à un report de la discussion qui est nécessaire sur les critères. Nous appuyons plutôt les projets de décision qui apparaissaient à l'origine dans ce document 11 et nous appuyons également les propositions d'amendements telles que présentées par Israël. Merci. Merci aux États-Unis. Bien noté, je donne la parole au Mexique, suivi par la Chine. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour à tout le monde. Notre délégation remercie les comités pour les animaux et pour les plantes pour le travail effectué à cet égard. Nous avons pu participer au groupe de travail lors de la 74e réunion du comité permanent et nous sommes donc d'accord avec les projets de décision qui sont présentés avec les amendements du secrétariat, à l'exception d'un élément, à savoir l'élimination du petit b de la décision 19BB, conformément à ce que vient de dire la délégation des États-Unis. Nous appelons à ce que ce petit b soit maintenu. Nous considérons que la méthodologie pour l'évaluation des espèces, cette évaluation peut être faite en parallèle de l'évaluation des espèces elles-mêmes. Nous pouvons avancer en parallèle sur ces deux questions. Il est important d'avancer dans ce travail pour affiner la méthodologie et les critères. C'est ce qui avait été convenu au sein des deux comités scientifiques. Par ailleurs, nous nous félicitons de l'initiative du secrétariat appelant à commencer l'analyse de 10 espèces et nous aimerions que les critères qui ont été utilisés pour les sélectionner soient partagés. L'objectif de l'examen de la méthodologie, c'est d'analyser les espèces dans les tableaux, notamment dans les quatre catégories pour ce qui est de l'examen de ces espèces. Et nous considérons que les espèces qui seront sélectionnées doivent correspondre finalement aux valeurs les plus représentatives dans les méthodes de notation pour chacune des catégories. Et nous devons disposer suffisamment d'informations pour mener à bien les évaluations. Le Mexique a procédé à une analyse et nous sommes disposés à la partager avec le secrétariat. Et les 10 espèces, finalement, seraient tout autres. Bosgaunus panthera leo, Amazona finciae, Manis giganteas et d'autres encore. Ce sont des espèces différentes que celles auxquelles nous aboutissons. Et nous savons que ce sont des espèces qui disposent de suffisamment de travail au sein de la CITES auparavant pour pouvoir avancer. Et nous sommes d'accord avec les commentaires des États-Unis et l'ajout d'Israël concernant les impacts du commerce légal et illégal. Merci beaucoup. Thank you. Merci au Mexique.
Je donne la parole à la Chine, suivie par l'Union européenne. Merci, Monsieur le Président. La Chine souhaite dire sa reconnaissance au Comité pour les plantes et pour les animaux pour ce rapport et pour ces discussions. Et nous avons beaucoup appris sur les progrès réalisés sur ce travail. Nous avons vu la liste des 10 espèces, même si nous ne savons pas quels sont les critères exacts utilisés pour la sélection de ces espèces. Nous souhaitons dire notre soutien. Le secrétariat a débuté ce travail depuis le 74e session du comité permanent. Même après analyse de ces 10 espèces, nous ne comprenons pas bien l'analyse de la CITES et nous soutenons les projets de décision tels que soumis par les deux comités scientifiques à l'annexe 1 du document 11 et nous n'appuyons pas les amendements proposés par le secrétariat. Merci, Monsieur le Président. Merci à la Chine. Je donne la parole à l'Union européenne. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Au nom de l'Union européenne et de ses États membres, nous nous félicitons du fait que le secrétariat ait mené à bien ce travail en dépit des difficultés de collaboration avec l'université concernée. Nous sommes disposés à échanger sur ce processus et nous souhaiterions suggérer deux amendements d'ordre mineur. Pour le 19AA, nous souhaiterions ajouter un élément et les experts pertinents, donc juste après, en consultation avec les États des aires de répartition concernés. Donc ce serait en consultation avec les États des aires de répartition concernés et les experts concernés. Et puis, pour le petit B du 19BB, si ce paragraphe est maintenu, selon la proposition de plusieurs parties, nous souhaiterions suggérer l'identification des mesures adoptées ou à adopter par la conférence des parties qui vont dans l'intérêt des espèces concernées. Donc nous ajouterions un libellé à la fin du petit B, appelant à l'identification des mesures qui vont dans l'intérêt des espèces concernées. Merci. Merci à l'Union européenne. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir bien noté votre libellé pour le petit B du 19BB. Alors, pour ma part, je n'ai pas bien compris, en tout cas, ce que vous avez proposé. Donc, réponse de l'Union européenne. 19BB, petit B, s'énonce comme suit. À la fin du paragraphe, donc évaluation des espèces inscrites à l'annexe 1 qui pourraient bénéficier des mesures adoptées par la conférence des parties. Nous avons le sentiment que ces mesures ne sont pas ici précisées. Nous proposons de recueillir des exemples de telles mesures afin que nous sachions ce à quoi on fait référence. Donc nous parlerions d'identification des mesures. Voilà, c'est un amendement d'ordre mineur que nous soumettons à la salle. Okay, thank you. Merci à l'Union européenne. Écoutez, c'est peut-être une question qui pourrait être résolu par le biais de discussions entre les deux comités, mais je donne la parole au secrétariat pour commentaire sur ce qui a été suggéré tout à l'heure. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Le secrétariat souhaiterait revenir sur la proposition d'Israël qui portait sur la référence à au moins 10 espèces inscrites à l'annexe 1 tirées du tableau au paragraphe 15 de ce document. Je souhaitais tout simplement expliquer le fait suivant. Il ne serait plus nécessaire de dire au moins 10 espèces puisque le tableau compte 10 espèces. Mais pour cette même raison,
soulevée par le Mexique, il pourrait y avoir d'autres études de cas qui pourraient nous être utiles, et c'est pourquoi nous disons au moins 10 espèces. Les 10 espèces sont les 10 espèces qui avaient été sélectionnées en consultation avec les étudiants concernés. Nous avons appliqué cette méthodologie, la méthodologie proposée par le Mexique. Nous avons essayé d'avoir des espèces des 4 tableaux différents dans la méthodologie telle qu'expliquée lors de la 74e session du comité permanent. Mais c'était aussi une sélection qui tenait compte des différents taxons, des espèces de faune, des espèces de flore. Voilà, c'était notre méthodologie de base. Nous espérons pouvoir recueillir d'autres études de cas pour examen par le comité pour les plantes et pour les animaux. Donc notre suggestion, c'est de rester sur ce libellé, au moins 10 espèces, en sachant que l'intention ici, c'est d'aller au-delà des 10 espèces qui sont identifiées dans ce tableau. C'est tout ce que je souhaitais dire, Monsieur le Président. Israël, vous avez la parole pour répondre à cela, si vous le souhaitez. Merci au secrétariat pour cet éclaircissement. Nous sommes ravis d'entendre que cette partie a été complétée. Et nous pourrions peut-être donc, pour que ce soit très clair, nous ajouterions les 10 espèces, the, dans la version anglaise. Ainsi, nous saurions qu'il s'agit bien de ces 10 espèces dans le tableau. Donc, disponible pour au moins les 10 espèces inscrites à l'annexe 1 et figurant au paragraphe 15, virgule, et d'autres espèces. Merci. Thank you, Israel. So... Merci, Israël. Donc, oui, pour ce qui est du texte final, au 19 A1, pour que ce soit bien clair, alinéa A, nous avons les amendements proposés par Israël et appuyés par les États-Unis, avec les amendements à la suite des discussions que nous venons d'avoir avec le secrétariat. Donc, 19AA, petit B, les amendements du secrétariat ont été soutenus. Nous passons au 19BB. Là, il n'y a pas eu de soutien pour la suppression suggérée par le secrétariat de l'alinéa B. Et les autres amendements aussi, si j'ai bien entendu. Donc, sur ce, je vous propose de clore sur ce document avec les amendements suggérés et nous pourrons proposer ces projets de décision. En tant que recommandation du comité à la plénière, et ce faisant, eh bien, je pense que nous devons donc supprimer deux décisions qui sont maintenant remplacées par ces décisions-ci. Il s'agit des décisions 18.28 et 18.29. Donc, ces décisions, nous recommandons qu'elles soient supprimées. L'Union européenne, vous avez la parole. Désolée, en fait, je n'ai pas entendu de position par rapport à notre première suggestion, au paragraphe 19AA, petit A, d'ajouter, après en consultation avec les États de l'aire de répartition concernés, ajouter également une référence aux experts. Pertinent. J'espère que nous pourrons refléter cela. Oui, désolé, l'Union européenne, j'avais bien écrit cela, en effet. Et cela a été noté. Mais vous avez tout à fait raison d'attirer notre attention sur ce point, car je ne l'avais pas indiqué dans mon résumé. Très bien. Je vais vous demander un instant, s'il vous plaît.
Thank you, colleagues. Chers collègues, nous allons maintenant passer au document suivant de notre ordre du jour. Il s'agit du document 43.1, avis de commerce non préjudiciable. Et nous avons là un rapport du comité pour les animaux et du comité pour les plantes. Et je vais demander à l'un des présidents, le président du comité pour les animaux, je vous invite à nous présenter ce document. Vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Lors de la 18e session de la COP, les parties ont adopté les décisions 1832 à 1834 sur les ACNP. Elles étaient indiquées à l'adresse du secrétariat du comité pour les animaux, du comité pour les plantes, ainsi qu'à l'adresse des parties. Les décisions demandent au secrétariat de procéder à un inventaire et un examen du matériel d'orientation existant sur les ACNP, d'identifier les lacunes ou les besoins, d'identifier en consultation avec le comité pour les animaux, les comités pour les plantes, ainsi qu'avec les parties, les priorités en matière de matériel d'orientation supplémentaire ou amélioré sur les ACNP et combler les lacunes et besoins identifiés. Il devra ensuite répondre à ces priorités convenues en entreprenant des recherches pour élaborer des orientations nouvelles ou améliorer et organiser un ou plusieurs ateliers interdisciplinaires sur les ACNP où les documents et matériels d'orientation sur les ACNP nouveaux ou existants seraient revus, progresseraient ou seraient complétés. Le comité pour les animaux et le comité pour les plantes examinerait l'analyse des lacunes menées par le secrétariat en aidant à identifier les priorités, participerait à tout atelier, aiderait le secrétariat à préparer les ateliers, examinerait les résultats des ateliers et formulerait des recommandations sur ces résultats et ferait rapport à la COP sur toutes ces questions. Avant le 31 PC25, la réunion conjointe des deux comités, conformément à la décision 1834, le secrétariat a consulté les parties sur les suggestions formulées dans l'analyse des lacunes présentées dans le document AC31-DOC-14-1-PC25-DOC-17 et a demandé leurs suggestions concernant les priorités ou les documents d'orientation supplémentaires ou améliorés sur les ACNP et sur la meilleure façon de répondre aux lacunes ou aux besoins identifiés. Le comité pour les animaux et le comité pour les plantes ont été consultés par l'entremise de leurs présidents respectifs. Le secrétariat a également suggéré la création d'un groupe consultatif technique, le GTC, pour soutenir le secrétariat dans ce projet. Lors de la réunion conjointe AC31-PC25, les deux comités sont convenus de recommander de constituer un groupe technique consultatif ad hoc pour conseiller le secrétariat sur la mise en œuvre de la décision 1832. Ils ont également recommandé que les présidents du comité pour les animaux et du comité pour les plantes conseillent le secrétariat sur les modalités, termes de référence et le calendrier de la constitution du groupe technique consultatif ad hoc. Par ailleurs, que les priorités et axes d'activité supplémentaires suggérés dans le document AC31-PC25-3 ainsi que l'ordre de priorité proposé soient pris en compte lors de la définition des priorités et flux d'activité finaux. Et enfin, de soumettre des projets de décision sur les orientations relatives aux ACNP à la 19e session de la conférence des parties. Ces projets de décision figurent à l'annexe 1 de ce document. Lors des réunions du comité pour les animaux et du comité pour les plantes, l'Allemagne a généreusement annoncé qu'elle mettrait à disposition un financement significatif pour permettre les activités dans le cadre de ces décisions. Des fonds supplémentaires ont été fournis par l'Union européenne et la Suisse. Ce groupe s'est réuni le 14 janvier 2022 pour sa toute première session en ligne afin de formuler des conseils sur le contenu et les méthodes de travail et les flux d'activité pour combler les lacunes et les faiblesses du matériel d'orientation sur les ACNP. Les méthodes convenues et le contenu de ces activités figurent dans les annexes 3 et 4 de ce document. Et le groupe a également donné et défini des conseils sur les critères de sélection des groupes d'experts pour traiter chacun des flux d'activité définis. En conclusion, la conférence des parties est invitée à prendre note des progrès réalisés dans l'élaboration de nouvelles orientations ou des orientations actualisées sur les ACNP, y compris la création de ce groupe technique consultatif pour cet exercice.
est invité à adopter les projets de décision 19AA à 19CC figurant à l'annexe 1 du document. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie le président du comité pour les animaux et je vous donne la parole. Je donne la parole aux partis pour entendre leurs commentaires. I see Canada follow. Le Canada puis l'Union européenne. Je vous remercie. Le Canada tient à remercier le secrétariat pour le travail réalisé au cours de la période intersession en vue de préparer l'inventaire et l'analyse des lacunes. Et nous remercions les comités pour les animaux et pour les plantes pour le travail qu'ils ont accompli par la suite, y compris la constitution de ce groupe technique consultatif. Le Canada appuie également les flux d'activités définis par ce groupe, ainsi que le processus qui sera suivi pour mettre en œuvre les différents axes de travail, cela dans le cadre de la constitution du groupe d'experts. Le Canada ne fait pas partie de ce groupe technique consultatif et souhaiterait avoir des informations sur la composition de ce groupe, puisque cela n'est pas indiqué dans ce document 43.1. Et nous souhaiterions également avoir plus d'éclaircissements sur la façon dont ce groupe technique consultatif et le groupe d'experts vont demander aux partis leurs contributions et comment les partis devraient les contacter s'ils ont des informations ou des matériels pertinents pour un axe de travail spécifique. Et par ailleurs, le Canada note que les projets de décision à l'annexe 1 pourraient être adaptée pour être plus prospective en reflétant les décisions convenues ici à la COP19 plutôt que de faire référence aux décisions de la COP18. Les décisions de la COP18 pourraient alors être supprimées. À cette fin, le Canada a proposé des modifications par rapport à ces décisions où on supprimerait les références aux décisions de la COP18 et le contenu de ces décisions serait reflété dans les nouvelles décisions. Monsieur le Président, nous avons communiqué un texte pour nos propositions d'amendement et si vous le souhaitez, je peux vous donner lecture de ces modifications. Bien. Il y a trois modifications. La première, au 19AA, petit A, petit A. Et je vais vous en donner lecture. En continuant de soutenir le GTC, par l'intermédiaire duquel le comité pour les animaux et le comité pour les plantes apportent un appui et des conseils en matière de mise en œuvre. Ensuite, au 19AA, petit a, petit 3, on dirait, en entreprenant des travaux de recherche ciblés en appui à l'élaboration de matériel d'orientation sur les ACNP nouveaux mis à jour, en collaboration étroite avec le GTC, des experts compétents, des partis et des organisations pour couvrir les flux d'activités convenus en s'appuyant sur les inventaires et analyses des lacunes, des orientations existantes préparées par le secrétariat. Dernier changement au 19BB, petit A, continue. Non, désolé. Donc, proroge le GTC établi dans le cadre des recommandations du document AC31/PC25.3 pour lequel le comité pour les animaux et le comité pour les plantes apportent un appui et des conseils en matière de mise en œuvre. Et prennent les décisions appropriées pour veiller à la continuité des conseils de l'assistance en faveur de la mise en œuvre des décisions 19AA à 19CC. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci au Canada pour ces amendements. Nous en avons pris bonne note. Je donne maintenant la parole à l'Union européenne et puis au Royaume-Uni. Je vous remercie, Monsieur le Président. L'Union européenne et ses États membres remercient les comités pour les animaux et pour les plantes, ainsi que le secrétariat pour la préparation de ce document et pour la présentation de cette question importante. Les ACNP sont au cœur même de la Convention. C'est le seul instrument
pour démontrer que le commerce international légal des animaux et plantes sauvages inscrites à la CITES, que ce commerce est durable et ne menace pas leur survie. L'UE et ses États membres travaillent depuis longtemps sur les ACNP et les orientations pour aider les autorités scientifiques dans l'élaboration de ces ACNP et en améliorer la qualité. En tenant compte de l'importance de la CNP pour l'application de la Convention, nous appuyons fermement les projets de décision figurant dans le document 43.1. Par ailleurs, nous souhaiterions encourager toutes les parties à prendre part activement à l'application des projets de décision et à l'amélioration des ACNP, de leurs orientations et matériels. Par ailleurs, nous appuyons également les modifications qui viennent d'être proposées par le Canada. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie l'Union européenne et je donne la parole au Royaume-Uni puis au Mexique. Merci, Monsieur le Président. Le Royaume-Uni appuie ses projets de décision figurant à l'annexe 1 et nous appuyons les amendements proposés par le Canada. Les autorités scientifiques du Royaume-Uni pour la CITES ont beaucoup d'expérience pour ce qui est de l'élaboration de la CNP. Et nous appuyons la collaboration et la coopération afin de parvenir à des ACNP plus robustes et cohérents avec des flux d'activité qui permettraient d'obtenir ce résultat. Et à cet égard, le Royaume-Uni va présenter dans quelques instants également le document 43.2. Merci au Royaume-Uni. Je donne la parole au Mexique, puis à la Chine. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le Mexique appuie également les projets de décision 19AA et 19CC de l'annexe 1 du document pour l'organisation du deuxième atelier sur les ACNP. Nous considérons que ce sont des axes de travail prioritaires pour la mise en œuvre des décisions. 18132 à 18134. Pour cela, pour donner suite au premier atelier qui s'est tenu au Mexique en 2008. Nous appuyons également les propositions d'amendements formulées par le Canada et par ailleurs, nous invitons les parties à examiner le document d'information 92. Où nous sommes ravis de présenter la publication Guía informativa para la elaboración de estudios técnicos de aprovechamiento sustentable de Candelilla, donc un guide d'information, cela dans le cadre des dispositions de la CITES. Ce guide, qui a été élaboré par l'autorité scientifique CITES du Mexique, conjointement avec d'autres instances, des experts, des techniciens et des représentants des communautés, constitue un outil de soutien afin d'orienter les usagers, les techniciens forestiers pour ce qui est de la gestion et de l'utilisation durable de Candelilla. Et cela est destiné également aux autorités qui commercialisent cette espèce et d'autres acteurs de la chaîne de production afin d'étayer la prise de décision et la mise en œuvre nationale de la CITES. Ce guide présente des informations pour analyser la durabilité dans les pays d'origine, ce qui constitue un fondement pour l'élaboration des ACNP, conformément aux décisions 1832 sur les ACNP et décisions 1839 sur le renforcement des capacités. Ce guide est disponible. Vous pouvez le télécharger gratuitement en espagnol sur le site web de l'autorité scientifique et vous le trouverez également dans le document d'information 92. Voilà, Monsieur le Président, des exemples concrets de la façon dont nous souhaitons procéder dans le cadre de cet exercice. Merci. Merci au Mexique. Je donne la parole à la Chine, puis à Israël. Je vous remercie, Monsieur le Président. La Chine, en fait, à des experts qui participent à ce groupe et nous appuyons l'adoption des projets de décision 19AA et 19CC avec les amendements proposés par le Canada. Nous saluons ce deuxième atelier international d'experts proposé sur les ACNP et d'autres activités qui fait suite au premier atelier qui s'est tenu à Cancun, au Mexique, en 2008.
L'année prochaine, la Chine va lancer un programme d'échange pour les autorités scientifiques de la CITES afin d'appuyer les parties dans l'élaboration d'études de cas et d'orientation sur les ACNP. Nous espérons véritablement pouvoir apporter davantage de soutien aux parties à cet égard. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie la Chine et je donne la parole à Israël. Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous appuyons également les amendements proposés par le Canada et nous proposons également de petits amendements à l'annexe 2 qui traitent, en fait, ou qui énoncent les membres de ce groupe technique. Au petit 4 de l'annexe 2, nous souhaiterions apporter une modification mineure après 10 autres parties qui sont membres, il faudrait dire, ou membres suppléants du comité permanent. Pendant le cycle intercession, entre la COP 19 et la COP 20. Ainsi, cela nous donne plus de perspectives. Donc, ce serait membre ou membre suppléant du comité permanent pendant le cycle intercession entre la COP 19 et la COP 20. Cela afin d'actualiser effectivement ce qui a trait à ce groupe technique. Nous nous réjouissons également à la perspective de ce deuxième atelier sur les ACNP. Nous avons participé au premier il y a près de 15 ans à Cancun, au Mexique, et le moment est vraiment venu d'en avoir un deuxième. Je vous remercie. Merci Israël. Et je donne la parole au Congo. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La République du Congo apprécie grandement ce travail du comité pour les plantes et du comité pour les animaux, ainsi que le groupe de travail, le groupe consultatif technique, sur la question importante de la fourniture de conseils aux parties sur l'élaboration de la, et la délivrance des avis de commerce non préjudiciables. Nous soutenons les recommandations de ce document, y compris tous les projets de décision. Je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you. Je remercie la République du Congo et je donne la parole au Cameroun, puis au Mali. Merci, Monsieur le Président. Le Cameroun a pris connaissance de ce document et reconnaît son importance au regard de l'expérience que nous avions sur l'élaboration des avis non préjudiciables et au regard de la complexité de ce sujet et des difficultés que les uns et les autres éprouvent à l'élaboration de ce document, des avis de commerce non préjudiciables. Nous rendons utile ce qui a été fait et nous appuyons le travail. Et nous pensons que cela va continuer pour que les pays et puis qu'ils puissent avoir de l'harmonisation dans l'élaboration et la formalisation des avis de commerce non préjudiciables. Je vous remercie. Thank you. Merci. Je donne maintenant la parole au Mali, puis à la Guinée. Bonjour, Monsieur le Président. C'est pour vous saluer justement ce bonheur, parce que nous avons bien dormi aujourd'hui. Nous nous réunissons pour pouvoir bien démarrer. Merci bien, Monsieur le Président. Le Mali soutient la proposition par rapport à l'adoption des projets de décision amendés. Merci bien. Thank you, Mali. Je remercie le Mali et je donne la parole à la Guinée. Merci, Monsieur le Président. La Guinée félicite le comité pour les plantes et le comité pour les animaux et soutient également le document. Thank you. Je remercie la Guinée. Je vais vous demander un instant, s'il vous plaît. I'll see if there's any observers. Je vais voir s'il y a des observateurs qui souhaitent intervenir très brièvement. Bien, je vais donner la parole à SPREP, puis Trafic.
Je vous remercie, Monsieur le Président. Le secrétariat pour notre programme appuie les parties du Pacifique en ce qui concerne les ACNP grâce à des experts et avec le programme marin de l'Union européenne Pacifique. Nous appuyons les activités en cours du secrétariat pour améliorer l'élaboration des ACNP, en particulier dans le cadre des travaux du groupe technique consultatif. Nous appuyons également l'examen de l'utilisation de connaissances traditionnelles dans l'élaboration des ACNP par le groupe technique dans le cadre d'un de ces axes de travail. Nous pensons que cela pourrait également être un thème de l'atelier proposé pour les experts sur les ACNP. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie. Je donne la parole à Trafic. Je vous remercie, Monsieur le Président. Trafic salue cet examen approfondi mené par le secrétariat sur les orientations et outils existants pour les ACNP, y compris les orientations en 9 étapes pour les plantes et les orientations pour les requins élaborées par Trafic avec le BFA du Japon. À cette COP, nous avons entendu un grand nombre de parties qui demandaient des activités de renforcement des capacités pour les ACNP, pour les espèces telles que les espèces de bois, les requins et les concombres de mer. Et demandant des délais pour la mise en œuvre, cela afin de permettre la réalisation de ce type d'activité. À la suite de l'inscription de 3 espèces de concombres de mer à la COP18 avec un délai pour la mise en œuvre, Trafic a aidé un certain nombre de parties dans la région Océanie pour l'élaboration d'ACNP, comme cela a été dit par la Papouasie-Nouvelle-Guinée pendant la discussion de la proposition 42. Ce soutien a été rendu possible par le financement de l'UE, par l'entremise de SPREP. Il est essentiel d'appuyer les parties pour l'élaboration des ACNP et les orientations vont devoir être adoptées pour les différentes actions et les niveaux de données disponibles. Nous espérons que les formes de vie dans les nouvelles inscriptions de taxons adoptées au cours de cette COP seront également prises en compte pour ce qui est du projet sur les ACNP, pour s'assurer que ces inscriptions seront bien efficaces. Trafic appuie les projets de décision proposés qui définissent la voie à suivre pour le groupe technique consultatif qui permettra effectivement d'avancer sur le plan de ces travaux et contribuera à l'organisation du 2e atelier d'experts sur les ACNP. Trafic est ravi d'être membre de ce groupe technique consultatif et est disposé à continuer de soutenir les parties pour le développement des capacités sur les ACNP. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Trafic. Je donne la parole à Blue Resources Trust, c'est ça? Et nous en aurons ainsi terminé pour la liste des observateurs. Vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous intervenons au nom de Blue Resources Trust et WCS. Je serai bref. Nous saisissons cette occasion pour souligner la publication du nouveau logiciel ACNP élaboré avec le soutien du gouvernement allemand pour appuyer l'élaboration des ACNP sur les requins et raies. Cela est gratuit et ouvert à toutes les parties. Nous encourageons les parties à nous contacter ou à nous envoyer un mail pour avoir accès à ce logiciel. Merci. Thank you, colleague. Je vous remercie, chers collègues. Désolée pour ces quelques instants pour m'organiser. J'ai entendu beaucoup de soutien pour ces projets de décision à l'annexe 1, avec les amendements qui ont été proposés par le Canada, qui ont aussi recueilli beaucoup de soutien. Et je pense qu'avec ces modifications proposées par le Canada, nous pouvons supprimer les décisions 18-132 à 18-134. Nous prenons bonne note de vos commentaires, Israël, en ce qui concerne l'annexe 2. Alors, de toute façon, bien sûr, nous n'adoptons pas l'annexe 2 à cette réunion-ci. L'annexe 2 nous est présentée ici à titre d'information.
C'est en quelque sorte un compte-rendu de ce qui s'est passé. Et ce n'est pas là un point qui sera soumis par la suite. Et nous prenons note également de la demande formulée par le Canada qui souhaiterait en savoir davantage sur la composition du groupe technique consultatif. Et ces informations seront communiquées par la suite par le secrétariat. Ce sera donc à la disposition des parties et des observateurs. Voilà, je vous propose donc de clore sur ce point. Nous recommandons les projets de décision figurant à l'annexe 1, tels qu'amendés par le Canada pour adoption, et nous supprimons les décisions 18-132 à 18-134. Et je vous propose maintenant de passer au document 43.2. Il s'agit des ACNP, et donc réalisation d'avis de commerce non préjudiciable pour les spécimens d'espèces inscrites à l'annexe 2 en provenance de la mer et ne relevant pas d'une juridiction nationale. Et ce document est soumis par le Royaume-Uni. Je vais donc donner la parole au Royaume-Uni qui va nous présenter ce document. Je vous remercie. Nous sommes ravis de présenter ce document qui évoque les défis que rencontrent les parties lorsqu'ils préparent les ACNP pour les espèces aquatiques en provenance de la mer ne relevant pas d'une juridiction nationale. Bon nombre d'entre eux, comme les requins, en fait, proviennent de pêcheries dans les hautes mers. Et il y a toute une série de mesures mises en place par les OGRP qui s'appliquent aux espèces inscrites à l'annexe 2 de la CITES. Mais il y a également beaucoup de lacunes pour ce qui est de la couverture spécifique par espèce et la couverture géographique de ces mesures. Nous prenons note de la résolution 14.6 sur l'introduction en provenance de la mer qui recommande que, dans le cas d'une exportation de spécimens à l'annexe 2, les autorités scientifiques de l'état d'exportation, au moment d'élaborer la CNP, consultent les autres autorités nationales scientifique ou lorsque cela est approprié des autorités scientifiques internationales. Cependant, la Convention ne fournit pas d'indication sur la manière dont les consultations avec les autorités scientifiques internationales pourraient avoir lieu, ni sur le nombre total de spécimens à introduire, la manière dont ce nombre doit être déterminé. Des orientations ont été élaborées par les parties en ce qui concerne la délivrance d'avis de commerce non préjudiciable. Sur certaines espèces, les Royaumes-Unis sont néanmoins préoccupés pour ce qui est des pêches en haute mer par les navires de plusieurs parties. Effectivement, ces ACNP, les élaborer sans avoir accès à des informations telles que le statut des stocks et le niveau de prise dans le cadre de la pêche non déclarée, non réglementée et illégale, cela est important. Et c'est pourquoi nous proposons qu'un groupe de travail, un atelier technique soit organisé. Nous serons ravis de fournir un financement pour cet atelier. L'atelier organisé par le gouvernement allemand en 2021 et 2022 ont permis d'identifier les points forts et les faiblesses pour ce qui est des relations entre les pêcheries et la conservation pour la gestion des requins, tout en notant également des domaines de progrès où on pourrait effectivement améliorer les synergies. Nous saluons cette initiative de l'Allemagne dans l'objectif commun de protéger et d'assurer la gestion durable des requins errés inscrits à la CITES. Et ces conclusions de ces ateliers, cela pourrait servir de fondement à l'atelier plus ciblé proposé par le Royaume-Uni qui permettrait d'examiner spécifiquement les questions techniques que nous avons soulevées. Nous recommandons que les conclusions de cet atelier soient soumises au comité pour les animaux, puis au comité permanent et à la 20e session de la conférence des parties pour examen. Nous considérons que cela viendra compléter les décisions du document 65 sur les requins errés et complémentaire par rapport à l'initiative du gouvernement allemand. Nous restons engagés dans la mise en œuvre de ces activités pour nous assurer que les inscriptions soient efficaces et applicables. Cela a été mené avec des collègues indonésiens, des experts, afin d'élaborer des guides d'identification pour toutes les espèces de requins errés inscrits. Compte tenu des inscriptions d'espèces aquatiques à cette COP, il est important plus que jamais de travailler sur ce plan. Nous espérons qu'ainsi, nous apporterons plus de clarté et d'efficacité pour l'élaboration des ACNP. Nous remercions le secrétariat pour leurs suggestions et nous sommes ravis d'accepter les amendements proposés dans le document. Donc, nous invitons les parties à adopter ces décisions pour favoriser la coordination pour les ACNP d'espèces en provenance de la mer capturées en haute mer. Merci. Merci le Royaume-Uni pour cette présentation et je note que vous êtes satisfait des modifications proposées par le secrétariat. To, your suggested draft decisions. So... Je
Je vais donc maintenant donner la parole aux parties pour tout commentaire ou observation. I see none at present, and I'm going to take that as... Je ne vois pas de demande d'intervention. J'en déduis donc que il y a un appui marqué, mais je vois maintenant l'Union européenne suivie par les États-Unis. Merci, Monsieur le Président. L'Union européenne et ses États membres remercient le Royaume-Uni d'avoir soulevé ce point, et nous remercions également le Royaume-Uni pour la production de ce document. L'élaboration d'ACNP, notamment pour des espèces partagées et capturées en haute mer, reste un défi. Les projets de décision proposés par le Royaume-Uni et le secrétariat s'alignent sur d'autres initiatives qui portent sur la même question. Afin de renforcer la synergie entre la CITES et les pêcheries et la protection des espèces qui sont capturées en haute mer. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Thank you. Merci à l'Union européenne. Je donne maintenant la parole aux États-Unis, suivi par le Japon. Merci, Monsieur le Président. Les États-Unis est d'accord qu'il faut renforcer la capacité pour l'élaboration d'une ACNP pour les espèces pêchées en haute mer, doit s'appuyer sur des fondements scientifiques forts, notamment pour l'application des inscriptions à l'annexe 2, et nous devons veiller à ce que les mesures mènent à un commerce qui soit légal et durable d'un point de vue biologique. Cependant, nous sommes préoccupés quant à l'établissement d'un deuxième atelier technique, notamment pour l'élaboration d'ACNP d'espèces inscrites à l'annexe 2, capturées dans des zones situées au-delà des juridictions nationales à ce stade. Comme le dit le secrétariat, cet atelier est prévu pour 2023 et cet atelier international d'experts prévoit des travaux sur les ACNP pour les espèces marines ou aquatiques, y compris les implications régionales pour les espèces communes, les introductions en provenance de la mer et les ACNP pour les invertébrés marins ou aquatiques. Nous sommes d'accord, cela va couvrir une partie du travail qui est proposé dans 19AA et nous prenons note de l'atelier allemand. Nous connaissons bien les limites en matière de ressources du secrétariat et des parties, et sont préoccupés quant au nombre d'ateliers qui sont prévus, mais nous pourrions accepter les amendements du secrétariat apportés à ce document. Merci. Merci aux États-Unis. Je donne la parole au Japon, suivi par la Nouvelle-Zélande. Merci, Monsieur le Président. Le Japon estime que les autorités scientifiques de chaque partie doivent être responsable de la délivrance des ACNP conformément aux orientations des ACNP en vertu de la résolution 17.7. Le Japon estime qu'il n'est pas pratique d'avoir ces orientations de la part des ORGP pour l'émission d'ACNP pour les espèces aquatiques commercialisées telles que les requins et les raies. Cela ne pourrait pas se faire de manière ponctuelle pour les introductions en provenance de la mer. Cela imposerait effectivement un fardeau administratif excessif pour les ORGP et les autres organisations concernées. Les autorités scientifiques de chaque partie doivent être responsables de la délivrance des ACNP sur la base des scientifiques disponibles, des données scientifiques disponibles et de la meilleure qualité. Au Japon, tandis que nous envisageons les ACNP pour les espèces inscrites à l'annexe 2 en provenance de la mer, nous appuyons sur une évaluation des stocks des institutions de pêcherie japonaises, mais aussi des comités scientifiques des ORGP et aussi les informations et les données, notamment sur les taux de capture. De plus, nous avons également pu avoir des recherches sur l'état et les stocks d'espèces aquatiques telles que les requins. Les ACNP ont été délivrés pour les espèces introduites en provenance de la mer sans aucune difficulté. Le Japon estime que les ORP, les ORGP et les États côtiers doivent
conserver la prérogative de la gestion des espèces de requins et de raies d'un point de vue de l'utilisation durable fondée sur les données scientifiques. Cette imposition d'une autre réglementation nous apparaît comme non nécessaire et cela pourrait mener à l'inclusion d'autres espèces de requins à l'annexe 2 sans fondement scientifique. Et cela mènerait à l'empêchement de l'utilisation durable d'espèces aquatiques, les requins et les raies entre autres, et ce ne serait pas prudent. Nous n'avons pas de commentaires sur le projet de décision, mais nous souhaitions tout simplement faire état de notre préoccupation sur ce point. Merci, Monsieur le Président. Merci au Japon. Nous avons bien noté votre préoccupation. Je donne la parole maintenant à la Nouvelle-Zélande, suivie par la République du Congo. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes d'accord avec les États-Unis. Nous estimons qu'il faut effectivement éviter les doubles emplois entre ce type d'ateliers proposés et les ateliers ACNP. Tant qu'ils agissent en complémentarité l'un de l'autre, nous appuyons ce deuxième atelier proposé par le Royaume-Uni. Et nous appuyons l'inclusion des parties d'Océanie pour ce qui est de cette question en particulier. Et tout particulièrement, notamment pour ce qui est des parties qui ont des navires battant pavillon en haute mer. Donc, nous estimons que cet atelier doit se proposer sur le prélèvement, la capture et les prises accessoires de volumes importants plutôt que de se concentrer sur des petits volumes qui ne sont pas pertinents pour notre sujet. Merci. Merci à la Nouvelle-Zélande. Je donne maintenant la parole à la République du Congo puis au Pérou. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Notre pays, la République du Congo, reconnaît que la délivrance d'avis de commerce non préjudiciable ACNP fondée sur les données scientifiques est essentielle pour la mise en œuvre efficace de la CITES et la conservation des espèces inscrites à la CITES. La délivrance des ACNP pour les espèces inscrites à la CITES capturées dans des zones situées au-delà de la juridiction nationale, conformément à la résolution CONF 14.6 REV COP 16, nécessite une coopération étroite avec les entités scientifiques et les comités des organismes régionaux de pêche, y compris les organisations régionales de gestion de pêche et d'autres organisations internationales. La République du Congo soutient fortement ce document et les recommandations de l'annexe 1, les projets de décision 19AADD. Je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you, the Congo. Merci à la République du Congo. Je donne maintenant la parole au Pérou, suivi par le Mali. Merci, Monsieur le Président. Le Pérou appuie ces projets de décision qui sont présentés par le Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Ces projets de décision permettront d'améliorer l'élaboration de la CNP, notamment avec l'accroissement des espèces aquatiques et de leur inclusion aux annexes de la CITES. De plus, nous pourrons ainsi nous appuyer sur les ORGP et ce sera d'une très grande utilité. Merci. Merci. Au Pérou, je donne la parole au Mali et ce sera tout pour les partis qui ont pris la parole. Le Mali a la parole. Merci bien, Monsieur le Président. Je voulais profiter de l'occasion pour féliciter et remercier effectivement les États qui ont élaboré ce document. Et du coup, Monsieur le Président, sans commentaire, mon pays soutient justement la proposition avec amendement, bien sûr. Thank you, Mali. I'll now open the floor. Merci au Mali. Je donne la parole à tout observateur qui souhaite la prendre pour faire un commentaire. So, I'll give the floor. Je donne la parole à l'UICN, suivi par SPREP. Merci, Monsieur le Président. Cette prise de parole se fait au nom de l'UICN de Trafic et de ZSL.
Nous pensons qu'il faut une coordination entre les espèces qui exploitent et commercialisent les espèces aquatiques. Et c'est nécessaire afin de faire en sorte que ces activités soient légales, traçables et durables. Les espèces migratrices qui passent des eaux côtières à la haute mer et dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale sont vulnérables de manière intrinsèque à la surexploitation et souffrent d'une mauvaise gestion. C'est le cas pour certaines espèces de requins qui sont mises en exergue dans le rapport sur les requins de trafic, mais aussi c'est ce qu'on lit dans le document qui porte sur les introductions en provenance de la mer. C'est pourquoi nous appelons les parties à une meilleure coordination pour la délivrance des ACNP et notamment pour un meilleur suivi des stocks des espèces migratrices dans le commerce international. Nos trois organisations sont disposées à participer à tout travail à cette fin. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à l'UICN. Je donne maintenant la parole à SPREP. Thanks, Chair. Merci, Monsieur le Président. SPREP appuie fortement cette proposition avancée par le Royaume-Uni, appelant à convoquer un atelier technique, notamment pour les ACNP et leur meilleure gestion pour la haute mer et les zones situées au-delà de la juridiction nationale. Les OGP sont déjà en train de se pencher sur certaines espèces, notamment le requin taupe. Et nous essayons de voir comment nous pouvons élaborer des ACNP qui soient efficaces pour ces espèces migratrices. Merci beaucoup. I'll get the floor. Merci. Je donne la parole maintenant à deux autres observateurs, Opis Oceana Foundation et HSI. Merci, Monsieur le Président. Je m'exprime au nom de Opis Oceani Foundation. De toute évidence, ce Royaume-Uni a avancé cette proposition en toute bonne foi et c'est un véritable problème qui est soulevé. Il existe réellement. Mais nous notons que l'identification par la CITES de ce qui constitue une autorité scientifique internationale pourrait être détournée. Surtout si cela permettrait que certaines autorités scientifiques qui ne sont pas si qualifiées se trouveraient sur un pied d'égalité par rapport à d'autres autorités scientifiques qui sont légitimes. Nous notons que le problème de réalisation des ACNP au sein de juridictions nationales persiste, notamment pour ce qui est des espèces de requins en particulier. Pour ce qui est de la haute mer, nous sommes confrontés surtout à des espèces migratrices et cela ajoute une autre couche de complexité à notre problème. Nous appelons donc à la plus grande prudence pour avancer sur cette question et pour ce qui est de cette ambition. Alors nous ne sommes pas opposés à ce qu'il y ait d'autres discussions et nous ne sommes pas opposés à ce qu'il y ait un atelier sur la question. Merci. Merci, Opis Oceana Foundation. Alors il me reste deux autres observateurs qui demandent la parole. Je demanderai aux deux observateurs d'être brefs, Humane Society International, suivi de IWMC. Merci, Monsieur le Président. Je m'exprime également au nom de Species Survival Network et nous recommandons que ces décisions soient adoptées par la conférence des parties. Cependant, pour ce qui est de la question de l'autorité scientifique internationale, nous sommes d'accord avec l'orateur qui nous a précédés et nous aimerions qu'il y ait un cahier des charges, un mandat, afin de parvenir à une définition de ce qu'est une autorité scientifique internationale. Merci. Merci, HSI. Je donne la parole à IWMC et ce sera la fin donc, pour les observateurs. Merci, Monsieur le Président. Je m'exprime au nom de mon organisation et au nom d'autres organisations dont le nom sera fourni au secrétariat. Les ACNP pour les espèces marines constituent une question complexe et la CITES n'a pas réussi à ce stade à trouver la bonne réponse. Afin d'améliorer l'état de conservation de ces espèces, il faut une coordination notamment avec des ONG et des ORGP pour la conservation de ces espèces et l'utilisation durable. Pour ce qui est de la délivrance des ACNP et pour les espèces à l'annexe 2, cela relève des autorités scientifiques des parties concernées. Mais afin de faire la promotion d'une utilisation durable et raisonnable, il faut un échange d'informations et d'expertise. Merci, Monsieur le Président. Merci, IWMC. J'ai bien écouté toutes ces prises de parole. Il semblerait qu'il y ait un appui exprimé pour ces projets de décision proposés par le Royaume-Uni et amendés par le secrétariat. Des préoccupations et des réserves ont été émises, d'abord pour éviter un double emploi, notamment avec l'atelier
plus générale sur les ACNP proposée. Et les États-Unis ont fait état de leurs préoccupations quant à l'organisation de nouveaux ateliers. Les États-Unis, cependant, n'ont pas souhaité faire obstacle à la prise de décision. Nous avons noté les commentaires du Japon et d'autres également. Je déduis de ces délibérations que nous pouvons recommander pour adoption ce document, plutôt les projets de décision figurant dans ce document est tel qu'amendé par le secrétariat. Et c'en est tout pour la discussion sur ce point. Merci pour les contributions au débat. Nous passons à la suite. Dans notre ordre du jour, nous devions passer à 44.1 et 44.2. Cependant, il semblerait qu'il y ait un problème de calendrier et de programme de travail entre nos comités 1 et 2. Donc, si les collègues sont bien d'accord et si les délégués nécessaires sont bien là, je vous propose de passer directement au point 46, commerce des coraux durs, si la composition de votre délégation en l'état le permet. C'est un document qui est proposé par l'Union européenne et ses États membres. Est-ce que l'Union européenne est en mesure de présenter ce point? Il semblerait que oui, vous avez la parole. Momento. Merci, Monsieur le Président. Je m'exprime au nom de l'Union européenne et de ses États membres. Nous parlons donc du document 46 de la COP19. L'Union européenne a souhaité soulever plusieurs questions et entrer au commerce des coraux durs. À notre sens, nous pensons qu'il faut, il faut approfondir l'analyse. La résolution CONF 11.10, REV COP 15, apporte des définitions pour les différents types de coraux, dont la roche de corail, la roche vivante et substrat, les fragments, le sable cimenté. Mais en dépit de cela, il reste encore une confusion quant au type de coraux assujettis à la Convention. Certaines parties, notamment, apportent des informations sur les substrats, mais d'autres, en revanche, considèrent que le substrat est fossilisé et que donc il n'est pas assujetti aux dispositions de la CITES. Le document attire votre attention également sur le manque de matériel d'identification des coraux et surtout des coraux durs. Et on suggère également qu'on ait une meilleure explication du terme scléractinia au niveau de l'ordre. C'est un concept qui est utilisé de manière assez large au sein de la CITES. L'analyse de la base de données dans le cadre de la CITES révèle de nouveaux problèmes liés à l'identification et à la définition dans le commerce des coraux durs. Il ne devrait pas être possible de donner des informations au niveau de scléractinia pour les coraux vivants. Or, de nombreux spécimens, ont été déclarés en tant que tels selon les exportateurs. Or, si on considère ce commerce déclaré, le volume augmenterait à un niveau assez important pour de 1,6 million. Or, il est possible que la déclaration soit erronée et qu'il s'agissait en fait de roches de corail. Il semblerait qu'il y ait des erreurs similaires, notamment pour 1,1 million de kilogrammes de scléractinia qui avaient été déclarés comme étant des spécimens vivants. C'est pourquoi l'Union européenne a proposé un ensemble de projets de décision qui demanderaient au comité pour les animaux d'envisager une meilleure définition, de meilleures définitions pour le corail, notamment dans le cadre de la résolution 11.10, REV COP 15,
Et il serait demandé au comité permanent et au comité pour les animaux de mettre en place des orientations, notamment pour l'établissement de rapports annuels, pour une meilleure clarté dans la présentation de ceux-ci. Nous prenons note des modifications du secrétariat à ces projets de décision qui permettraient au comité permanent de pouvoir participer à toute révision de la résolution et nous appuyons ces amendements. L'Union européenne présentera par ailleurs un manuel d'identification des coraux avec une clé d'explication au comité, tout comme suggéré par le secrétariat. Et c'est tout pour nous. Merci beaucoup. Thank you. Merci à l'Union européenne. J'entends donc que vous appuyez les amendements proposés par le secrétariat et vous avez parlé du comité pour les plantes, en tout cas dans l'interprétation, mais c'était bien le comité pour les animaux. Donc, je vais maintenant donner la parole au parti. So I see the Maldives. Les Maldives, suivies par le Royaume-Uni. Merci, Monsieur le Président. Les Maldives souhaitent remercier l'Union européenne et ses États membres pour ce document. Les Maldives sommes une nation qui tire un grand bienfait des coraux et des écosystèmes les entourant. Les formations de nos îles dépendent de ces récifs coralliens. Nous avons pris des mesures pour protéger ces coraux, notamment avec une interdiction d'exportation. Il reste encore des cas d'exportation illégale partant des Maldives. Outre cela, il y a un marché important pour les coraux et les produits de coraux et nous devons faire un suivi des importations et améliorer, renforcer les capacités, notamment des agents douaniers, entre autres. Nous avons des commentaires quant aux modifications des définitions proposées dans ce document. Il y a également le commerce des coraux morts. Nous devons trouver des moyens acceptables de réglementer, notamment pour des espèces de colonies dont les qui sont intactes et qui peuvent être identifiées au niveau du genre. Pour ce qui est de la roche de corail nous pensons qu'il faut que ce soit identifié comme étant des coraux morts, notamment pour ce qui est des spécimens utilisés comme matériel de base. Nous pensons qu'il y a des incohérences qui émanent de roches de corail par rapport aux coraux vivants. Nous pensons qu'il faut avoir une catégorie simple, telle que les coraux vivants, qui sont identifiables au niveau de l'espèce, les colonies de coraux morts, qui sont identifiables au niveau de l'espèce et qui ont des caractéristiques morphologiques qui soient intactes. Nous ne suggérons pas de modification aux définitions à l'annexe 1, mais nous souhaiterions suggérer que le comité pour les animaux se penche sur ces suggestions, notamment dans le cadre de l'examen de la résolution CONF 11.10, REFCOP 15, en consultation avec des nations coralliennes et des experts en la matière. Au 19AA petit a, nous suggérons qu'après formule des présentes ces recommandations en consultation avec des nations ayant des récifs coralliens et des experts en la matière. Pour ce qui est de la roche de corail et sa définition, nous souhaiterions qu'il y ait une consultation avec les États de l'aire de répartition et les États consommateurs. Merci beaucoup, Monsieur le Président. So, can we just... Bien. Afin d'être certain d'avoir noté vos amendements, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, donner lecture de nouveau de votre amendement et nous indiquer là où vous souhaitez que cela soit incorporé, en sachant que l'Union européenne a accepté les amendements proposés par le secrétariat. Il faudra donc travailler sur cette partie du document, mais est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, répéter ce que vous souhaitiez ajouter? Merci, Monsieur le Président. Nos amendements s'appliquent également aux suggestions du secrétariat. Dans les décisions à l'adresse du comité pour les animaux, 19AA,
petit a, tenant compte du contenu du document, et là où on lit « émet un avis sur d'éventuels amendements », nous souhaitons ajouter ici « en consultation avec les États ayant des récifs coralliens et des experts de ce domaine ». Merci, Monsieur le Président. Thank you, Maldives. Merci aux Maldives. Nous avons bien noté ce commentaire. Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole au Royaume-Uni, suivi par les États-Unis. Merci, Monsieur le Président. Le Royaume-Uni remercie l'Union européenne d'avoir présenté ces documents. Nous reconnaissons qu'il y a des difficultés, notamment pour le commerce de la roche de corail. Nous souhaiterions remercier l'Union européenne pour ce travail, notamment visant à mettre au point un manuel d'identification pour répondre à ces questions. Nous souhaiterions ici attirer l'attention sur le travail qui a été effectué par le Royaume-Uni en partenariat avec l'Indonésie, avec le développement d'un guide d'identification visuelle, notamment tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Nous soutenons les projets de décision qui sont présentés dans ce document 46 et nous nous félicitons tout particulièrement de l'avis qui sera apporté par le Comité pour les animaux pour remplacer les amendements apportés à la résolution CONF 11-10 REF COP 15. Nous nous félicitons également de l'occasion que nous aurons de revoir les définitions dans le cadre du Comité pour les animaux. Effectivement, il y a des domaines qui méritent d'être clarifiés. Nous pensons que tout changement de la définition doit améliorer la clarté du point de vue de l'industrie et nous appuyons l'amendement proposé par les Maldives. Merci, Monsieur le Président. Merci au Royaume-Uni. Je donne la parole aux États-Unis, suivi par l'Indonésie. Merci, Monsieur le Président. Les États-Unis remercient l'Union européenne d'avoir soumis ce document et nous soutenons les amendements, notamment pour ce qui est des définitions de la roche de corail, comme on le retrouve à l'annexe 1 de ce document et amendé par le secrétariat. Nous pensons qu'il s'agit là d'une approche plutôt pratique qui est avancée par l'Union européenne et nous sommes d'accord également pour ce qui est du 19AA petit b, car ce serait utile pour le Comité pour les animaux de passer en revue tout guide d'identification qui permettrait une application pratique dans le commerce des coraux durs. Et nous appuyons également les amendements proposés par les Maldives. Merci beaucoup. Thank you, United. Je remercie les États-Unis. Je donne la parole à l'Indonésie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous tenons à remercier l'UE et ses États membres d'avoir soumis ce document. L'Indonésie est d'accord avec les projets de décision à l'adresse du Comité permanent et au Comité pour les animaux en ce qui concerne les définitions des coraux vivants. Pour éviter des ambiguïtés, il faudrait préciser effectivement les termes, donc substrat et roche dans le projet de résolution. Et nous proposons de remplacer substrat par effectivement des roches de moins de 1 kg chacun. Je vous remercie. L'Indonésie, alors je vais voir s'il y a des observateurs qui souhaitent intervenir. Je donne la parole au PNUE, WCMC, puis au FAI. Je vous remercie, Monsieur le Président. PNUE, WCMC appuie ce document 46 ainsi que les décisions telles qu'amendées par le secrétariat. Effectivement, l'analyse des tendances du commerce c'est particulièrement difficile compte tenu des problèmes qui se posent, comme cela est analysé. Dans le document, il faut donc des orientations pour la préparation et la soumission des annuels, des rapports annuels. Donc, nous avons utilisé des facteurs de conversion pour effectivement avoir un panorama global du commerce, des commerces vivants aux roches de corail déclarés par les parties. Ces facteurs ont été élaborés en 1999 et pourraient faire l'objet d'un examen par le Comité pour les animaux au moment où seront examinées les autres questions ayant trait aux roches de corail comme énoncées dans ce document. Nous recommandons donc d'ajouter à la décision 19AA à l'adresse du Comité pour les animaux un libellé et donc que j'ai amendé pour tenir compte de l'intervention des Maldives et qui dirait 19AA petit c
en consultation avec les nations ayant des récifs coralliens et avec les experts du récif corallien, donner des conseils sur les facteurs de conversion utilisés pour l'analyse des coraux dans le cadre de l'examen par la CITES de l'étude de commerce important et faire rapport à la COP. Donc, toute modification de la méthodologie pourrait être prise en compte pour les processus de sélection de l'étude de commerce importante après la COP20. Est-ce que vous souhaitez peut-être que je vous en donne lecture de nouveau? Oui, s'il vous plaît. Très bien. Donc, 19AA, petit c. En consultation avec les États ayant des récifs coralliens, les experts des récifs coralliens, formule des conseils sur les facteurs de conversion utilisés pour analyser le commerce des coraux pour l'examen du processus d'étude de commerce important pour la CITES et faire rapport à la 20e session de la conférence des parties. Merci. Je remercie WCMC. J'y reviendrai dans un instant, mais d'abord au FAI. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'interviens également au nom de l'Environmental Aquatic Association Organization et EPO. Ce document et ces discussions soulignent bien que les parties ont des interprétations très différentes de ce qu'est un corail fossilisé. Cela est compliqué encore par les nombreuses méthodes de production des roches vivantes dans le commerce. Et cela se traduit par une application non cohérente de la Convention et ça a une incidence sur toutes les statistiques produites. Et ce manque de clarté pourrait faire que le terme corail fossilisé pourrait être utilisé sur certaines expéditions, ce qui se traduirait par une surexploitation. Nous vous engageons à vous mettre d'accord sur une définition et nous serions disposés à prendre part à tous travaux dans ce sens. Merci. Je remercie OFI pour vos commentaires. WCMC propose une suggestion d'amendement sur la décision et je souhaiterais savoir si des parties souhaiteraient appuyer cette proposition d'amendement. Okay, I now see three parties. Je vois trois parties. La Nouvelle-Zélande, d'abord, vous avez la parole. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Oui, j'appuie la suggestion du PNUD WCMC, qui reflète également la proposition des Maldives. Oui, je vois que le Royaume-Uni et les États-Unis demandent la parole. Vous avez l'intention d'appuyer cela également? Donc, dans ce cas-là, je vais considérer qu'effectivement, il y a un soutien des parties. Sur ce, à commencer par les projets de décision donc proposés par l'Union européenne, tels qu'amendés par le secrétariat, puis amendés par les Maldives, avec l'ajout de PNUD-WCMC, appuyé par un certain nombre de parties, je pense que nous pouvons recommander l'adoption de ces projets de décision. Voilà, nous pouvons donc clore nos discussions sur ce point de l'ordre du jour. Je vais vérifier comment est-ce que les travaux avancent au sein du comité 2. Bien, donc, je pense que les discussions au sein du comité 2 sont terminées sur le point qui était en conflit avec notre programme. Nous pouvons donc revenir sur le programme 44.1, examen de la résolution CONF 11-19 sur le manuel d'identification. Ce document nous est communiqué par le comité permanent. Et je crois que c'est le Canada qui va nous le présenter. Ah non, c'est la Suisse qui demande la parole. Je vous remercie.
Je vous remercie. Je présente ce document au nom du comité permanent en tant que président du comité pour les animaux. À sa 18e session, la conférence des parties a adopté les décisions 1835 à 1839 sur les matériels d'identification. À 174 sessions, le comité permanent a examiné le document SC74-46 sur les matériels d'identification préparés par le secrétariat en consultation avec le comité pour les animaux et le comité pour les plantes. Le comité permanent est convenu de soumettre à la 19e session de la conférence des parties les projets de résolution sur les matériels pour l'identification des spécimens d'espèces inscrites aux annexes de la CITES figurant à l'annexe 1 de ce document. Ce projet de résolution remplacera la résolution CONF 11-19 REPCOP 16 sur le manuel d'identification a été élaboré sur la base de la résolution CONF 11.19 REVCOP 16 menée par le groupe de travail conjoint sur le matériel d'identification constitué par les comités pour les animaux et pour les plantes en collaboration avec le secrétariat. Le comité permanent est convenu par ailleurs de soumettre deux séries possible de projet de décision à l'examen de la conférence des parties pour la poursuite du travail sur les matériels d'identification. La première série sera proposée pour adoption si la COP décide d'adopter la nouvelle résolution. La deuxième sera proposée si la COP décide de ne pas adopter la nouvelle résolution proposée. En fait, cette décision figure à l'annexe 2 et 3 de ce document. Paragraphe 6, toute une série d'autres activités réalisées par le secrétariat pour ce qui est du matériel d'identification. Ces activités sont présentées. La conférence des parties est donc invitée à adopter le projet de résolution sur les matériels d'identification des spécimens d'espèces inscrites à la CITES tels que figurant à l'annexe 1. Et à adopter les projets de décision figurant à l'annexe 2 sous réserve de l'adoption du nouveau projet de résolution avec suppression des décisions 1835 à 139 puisqu'elles ont été mises en œuvre. Si vous le permettez, Monsieur le Président, j'aimerais maintenant donner la parole aux États-Unis puisque les États-Unis ont présidé le groupe de travail pour ce qui est du comité pour les animaux. Oui, je vous remercie. Les États-Unis, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. En tant que co-président représentant le comité pour les plantes au sein du groupe de travail sur le matériel d'identification, je suis ravie de présenter également le résultat de ce travail figurant dans le document. Donc, 44 points. L'annexe 1 du document soumet une résolution révisée sur le matériel d'identification des spécimens d'espèces inscrites à la CITES pour remplacer la résolution CONF 11-19 REFCOP 16 sur le manuel d'identification. Et cela donne des orientations sur l'élaboration de matériel d'identification pour les espèces inscrites à la CITES qui met l'accent sur les besoins d'identification spécifiques pour appuyer l'application de la CITES et tient compte des nombreuses avancées en termes d'identification qui se sont produites depuis la 16e session de la conférence des parties en 2013. Nous apprécions et appuyons les amendements suggérés par le secrétariat en vue d'améliorer la résolution. Les projets de décision à l'annexe 2 de ce document 44.1 vont également refléter des éléments de décision 1837 à l'adresse du comité pour les animaux et pour les plantes à la 18e session de la conférence des parties qui n'ont pas encore été mises en œuvre. La tâche de l'examen et de l'actualisation du matériel d'identification a été incluse dans le nouveau projet de résolution figurant à l'annexe 1. Néanmoins, le comité pour les plantes et pour les animaux n'ont pas encore activement entrepris ce travail comme énoncé à la décision 1837. Ces décisions ont été élaborées et recommandées par les comités pour les animaux et pour les plantes et avalisées et recommandées par la suite par le comité permanent afin de s'assurer que ce travail important sera bien priorisé et se poursuivra au cours de la prochaine période intersession de façon ciblée. Cette série de décisions ne fera pas doublon avec d'autres activités, mais viendra compléter les efforts visant à améliorer l'accès au matériel d'identification, combler les lacunes
pour les espèces inscrites à la CITES est un outil extrêmement important pour les parties à la CITES pour l'application de la Convention. Et enfin, maintenant, en m'exprimant en tant qu'États-Unis, nous espérons que les parties se joindront à nous pour appuyer l'adoption de la nouvelle résolution à l'annexe 1 telle qu'amendée par le secrétariat et le projet de décision à l'annexe 2 pour poursuivre ces travaux importants. En conclusion, si le président nous le permet, je souhaiterais donner la parole au coprésident du groupe, M. Hugh Robinson, de la Nouvelle-Zélande. Merci. Oui, bien sûr. La Nouvelle-Zélande, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Les technologies ont beaucoup évolué depuis que ce manuel d'identification a été adopté dans le cadre de la résolution CONF 11-19 lors de la session au Kenya, puis même depuis son actualisation lors de la COP16 à Bangkok. Nous avons eu l'honneur de co-présider ce groupe de travail sur les matériels d'identification qui a élaboré le premier projet de résolution figurant dans le document 44.1. Cette résolution vise à mieux répondre aux avancées technologiques tout en maintenant l'importance de la production de matériel d'identification que les autorités scientifiques, les organes de gestion et les agents de lutte contre la fraude aux frontières, donc ils pourraient consulter 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Nous appuyons les efforts visant à appuyer l'élaboration d'outils et de technologies pour lutter contre le trafic illégal d'espèces sauvages et de bois. Il est de plus en plus besoin d'avoir des techniques génétiques et isotopiques à des fins médico-légales pour identifier les espèces inscrites à la CITES et leur origine géographique et pour assurer la traçabilité des produits du point de capture jusqu'au marché de consommation. Ils sont souvent commercialisés sous forme transformée et les méthodes d'identification ne sont pas faciles à identifier, par exemple pour les ailerons de requin ou la chair de requin. Les technologies pour présenter les outils d'identification évoluent rapidement, mais le matériel d'identification doit être disponible sous différents formats adaptés aux conditions locales. Nous ne devons pas supposer que les autorités CITES et les agents à la frontière ont toujours accès facilement à Internet dans la région de l'Océanie que je représente. Le Ranga Tonga Hopa est donc cette éruption volcanique sous-marine et en fait le tsunami qui a dévasté Tonga a privé toute la nation d'accès à l'Internet pendant 5 semaines. Combien d'entre nous pourraient faire face à une telle situation? Si cette nouvelle résolution est acceptée ici, elle remplacera la résolution CONF 11-19. La Nouvelle-Zélande est d'accord avec les États-Unis, à savoir que les modifications proposées par le secrétariat à la page 3 concernant le projet de résolution sont acceptées. Et nous sommes d'accord avec le coprésident des États-Unis, à savoir que même si la résolution révisée est adoptée à cette réunion, d'autres activités, comme indiqué à l'annexe 2, sont encore nécessaires. Et les autorités scientifiques en particulier devraient poursuivre en fait le travail énoncé à la décision 1837 qui n'a pas pu être menée à bien du fait de toutes les perturbations de la période intercession. Et la Nouvelle-Zélande appuie l'adoption de la résolution figurant à l'annexe 1 avec les modifications suggérées par le secrétariat et nous appuyons également les projets de décision figurant à l'annexe 2. Je vous remercie. Je remercie chacun des intervenants pour cette présentation très complète de ce point de l'ordre du jour. Je remercie également les deux coprésidents du groupe de travail pour tout leur travail afin de faire aboutir ce processus par l'entremise du comité permanent. Maintenant, je vais donner la parole aux parties. Et j'ai déjà noté que les États-Unis et la Nouvelle-Zélande ont appuyé les amendements suggérés par le secrétariat pour ce qui est de la résolution. Mais je vais donner la parole aux parties si vous avez d'autres observations à formuler. Et je donne la parole au Mali, puis à l'Indonésie. Merci bien, Monsieur le Président. C'est juste pour remercier et féliciter davantage le comité permanent pour les travaux et les bons résultats déjà présentés à nous ici. Donc, nous soutenons leurs documents. Merci bien, Monsieur le Président.
Très bien. Et en soutenant le document, vous devez indiquer clairement aussi si vous appuyez le projet de résolution et les projets de décision. Et sinon, effectivement, est-ce que c'est plutôt l'annexe 3 et les projets de décision? Mais effectivement, donc si vous pouvez indiquer ça très clairement dans vos interventions, mais je crois que nous avons bien compris effectivement ce que vous souhaitiez dire, le Mali, et je vous remercie. Je donne maintenant la parole à l'Indonésie puis à la Chine. Je vous remercie, Monsieur le Président. L'Indonésie appuie cette résolution, mais dans l'annexe, pour ce qui est des principaux éléments de la résolution. Il y a des méthodes vérifiables de distinction des spécimens prélevés dans la nature et des autres, et cela ne peut pas être pleinement mis en œuvre. Donc, nous proposons de supprimer ces éléments. Merci. Alors, est-ce que vous pourriez préciser quand même, dit le Président, là vous parlez de l'annexe à la résolution et quels sont les points que vous souhaitez supprimer ou amender? Point sur les méthodes vérifiables pour distinguer les spécimens prélevés dans la nature de ceux qui n'ont pas été prélevés dans la nature. Donc nous proposons de supprimer cela. Il s'agit de l'annexe à la résolution. Je remercie l'Indonésie. Ça y est, je l'ai trouvé. Donc, vous proposez de supprimer. Donc, nous en avons pris bonne note. Et je donne la parole à la Chine, puis au Royaume-Uni. Je vous remercie, Monsieur le Président. La Chine remercie les partis, le comité pour les animaux, pour les plantes, le comité permanent et le secrétariat. Nous reconnaissons les progrès réalisés. Nous appuyons la nouvelle résolution à l'annexe 1 qui va promouvoir l'élaboration, la diffusion et l'utilisation du matériel d'identification. La Chine appuie la petite modification du secrétariat au projet de résolution, mais nous ne sommes pas d'accord avec le fait d'ajouter effectivement des règles de commerce dans l'annexe à la résolution. Cela constituerait des défis ou ferait obstacle à l'élaboration et à l'utilisation du guide par les parties. Les projets de décision à l'annexe 2, nous les soutenons. La Chine continuera de prendre part activement à l'élaboration et à la traduction du matériel d'identification. Je vous remercie. Thank you, China. Je remercie la Chine. Nous avons noté cette modification suggérée et je donne la parole aux États-Unis puis au Royaume-Uni. Je vous remercie, Monsieur le Président. Les États-Unis souhaitent faire objection à l'amendement suggéré visant à supprimer sauvage et non sauvage. Nous pensons qu'effectivement, un outil important, c'est ce qui permet aussi de distinguer les spécimens prélevés dans la nature et ceux qui ne le sont pas. Cela vaut particulièrement pour les espèces de plantes où très souvent les plantes reproduites artificiellement ont une apparence différente. Donc là, nous pensons que c'était dans un souci d'utilité que cela avait été précisé. Merci aux États-Unis. Nous notons cette divergence d'opinion. Et je donne la parole au Royaume-Uni, puis à l'Union européenne. Je vous remercie, Monsieur le Président. Une bonne identification des espèces est essentielle pour la bonne application de la Convention, et en particulier à la frontière. Au cours de cette COP, nous avons entendu plusieurs exemples faisant référence à la difficulté à identifier les espèces, surtout par rapport aux critères d'espèces semblables. Nous encourageons donc tous les efforts visant à fournir un matériel aux parties et dans les autorités à identifier les spécimens dans le commerce pour que les mesures de la CITES puissent être ciblées et proportionnées. C'est pourquoi nous sommes ravis de pouvoir avoir appuyé l'élaboration de deux guides d'identification pour les taxons marins élaborés par le Centre du Royaume-Uni pour l'environnement et la pêcherie en coopération avec les partenaires internationaux. Ces deux guides d'identification pour les requins et les coraux
ont pour objet d'être pratiques et permettre une identification par les usagers, en particulier pour les autorités de lutte contre la fraude à la frontière. Et nous espérons que vous avez été nombreux à pouvoir participer à notre manifestation. Parallèle jeudi dernier, à obtenir une copie de ces guides. Et nous appuyons cette résolution. Je vous remercie. Je remercie le Royaume-Uni et je donne la parole à l'Union européenne. Je vous remercie, Monsieur le Président. L'Union européenne et ses États membres remercient le comité permanent pour l'examen de la résolution CONF 1119 et pour l'élaboration de la nouvelle résolution sur les matériels d'identification des spécimens d'espèces inscrites à la CITES. Et nous le remercions pour les décisions figurant à l'annexe 2. Nous pensons qu'il s'agit là d'une question très importante pour une bonne application de la Convention. Nous recommandons que la résolution annexe 1 soit adoptée. Elle remplacerait la RES CONF 1119. Mais nous souhaiterions suggérer un éclaircissement et deux amendements mineurs. Alors, tout d'abord, dans le contexte de la résolution qui est proposée, la phrase « identification de spécimens d'espèces inscrites à la CITES », cela veut dire probablement seulement une identification taxonomique. Néanmoins, l'identification individuelle des spécimens, d'espèces inscrites à la CITES peut jouer également un rôle important, par exemple pour ce qui est du commerce des espèces inscrites à l'annexe 1. Donc nous ne sommes pas sûrs que ces cas soient effectivement couverts par la résolution. Par conséquent, nous recommandons de clarifier ce point et peut-être d'ajouter un éclaircissement dans le préambule, par exemple une note selon laquelle des informations sur les identifications individuelles des espèces inscrites donc à la CITES. Et par ailleurs, dans le titre de l'annexe 1, il y a une faute de frappe en anglais, donc « spécimen ». Et nous recommandons également dans le projet de résolution annexe 1, paragraphe 4B, ligne 4, de modifier légèrement la phrase pour permettre l'inclusion du commerce d'espèces non inscrites à la CITES dans le matériel d'identification dans le cas où une confusion avec une espèce inscrite à la CITES est possible. Nous proposons de reformuler la ligne 3 qui dirait lorsque cela est possible, d'inclure des espèces non inscrites à la CITES qui font l'objet de commerce et qui pourraient faire l'objet d'une confusion avec des espèces inscrites à la CITES dans ce matériel d'identification des espèces. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci à l'Union européenne. Alors, je pense que vous allez devoir passer en revue toutes ces modifications une par une et plus lentement pour que nous puissions effectivement en prendre note parce que je n'ai pas pu suivre. Je vous propose de commencer par la première modification. Bien, donc tout d'abord, nous souhaiterions ajouter, par exemple, dans le préambule, une note indiquant que les informations sur l'identification individuelle des espèces inscrites à la CITES, des spécimens des espèces inscrites à la CITES, pourraient également être compilées. Et ensuite, attendez un instant, s'il vous plaît. Enfin, je vais essayer de lire plus lentement. Oui, je suis désolée. Oui, l'Union européenne. Donc, précisément, vous dites dans le préambule, mais c'est où exactement dans le préambule que vous souhaitez insérer cela? Eh bien, je pense lorsque on traite des spécimens d'espèces inscrites à la CITES pour la première fois. Lorsque cela est mentionné pour la première fois, ce serait logique. Yeah, annex. Okay, we're just trying to. Alors, on essaie juste de bien comprendre où exactement ce nouveau paragraphe serait inséré, et nous supposons que vous souhaitez
l'insérer à la fin du préambule, après le rappelant, donc au bas de la page 5, et avant que l'on passe au dispositif avec encourage. C'est bien ça? Oui, c'est tout à fait ça. Donc, est-ce que vous pouvez poursuivre maintenant avec la modification suivante? Oui, donc à l'annexe 1, paragraphe 4B et ligne 3. Et je vais vous en donner lecture plus lentement. Dans la mesure du possible, virgule, inclure des espèces non inscrites à la CITES qui font l'objet de commerce et qui pourraient faire l'objet d'une confusion avec des espèces inscrites à la CITES. Non, c'est matériel d'identification des espèces. Yes. Yes, really, yeah. Those specimens. So we've Donc, nous avons pris bonne note de votre texte, l'Union européenne. Alors, vous souhaitez insérer cela au paragraphe 4B. Vous avez dit à la troisième ligne, mais nous ne savons pas exactement où. Donc, peut-être que vous pourriez indiquer les termes qui précéderaient cette insertion et ceux qui se trouveraient juste après. Ça nous aiderait. Here, after comma. After comma, yeah. Chair, we. Donc, Monsieur le Président, nous proposons de l'insérer à la troisième ligne, juste après la virgule. Donc, juste après région. Ou région, virgule. Oui, très bien. Maintenant, nous avons bien vu où cela se situait. Très bien, donc je crois que nous avons bien le texte. Est-ce que maintenant vous pouvez poursuivre, parce que je crois que vous aviez une autre modification à suggérer. Chair, that's all. Monsieur le Président, c'était tout. Fort heureusement. Merci à l'Union européenne. Je donne maintenant la parole à la Nouvelle-Zélande, suivie par la Suisse. Monsieur le Président, sur cet dernier amendement proposé par l'UE, paragraphe 4B de l'annexe 1, je pense que nous pourrions viser le même objectif en supprimant tout simplement les mots « in these » dans ces lignes 3 du paragraphe 4B. Dans le pays et la région. So, removing in these. Donc nous bifferions in these. Ce serait finalement le même résultat. We take your point. Bien noté, la Nouvelle-Zélande. L'Union européenne, vous souhaiteriez peut-être nous dire si cela vous convient ou non. Et pendant que vous réfléchissez, je vais donner la parole à la Suisse pour tout commentaire. Merci, Monsieur le Président. Nous aimerions d'abord féliciter les deux groupes de travail pour ce travail acharné. Et merci pour ces résultats formidables que nous avons sous les yeux. La Suisse appuie les résolutions et décisions à l'annexe 2. Nous souhaitons également revenir à la suppression proposée à l'annexe 2
pour la distinction des spécimens sauvages et non sauvages. Dans la pratique, lorsque les agents de contrôle aux frontières passent en revue des cargaisons et qu'il y a des spécimens déclarés comme étant produits en captivité, il serait utile pour ces agents d'avoir des orientations pour faire la distinction entre les spécimens prélevés dans la nature et les spécimens élevés en captivité. C'est pourquoi je pense que c'est un ajout qui a sa valeur dans cette annexe. Merci. Thank you, Switzerland and... Merci à la Suisse. L'Union européenne, est-ce que vous avez pu réfléchir à cette possibilité proposée par la Nouvelle-Zélande? Merci, Monsieur le Président. Nous sommes tout à fait d'accord, car nous sommes toujours d'accord pour ce type d'amendement. Merci. Merci à l'Union européenne. Y a-t-il des commentaires de la part d'observateurs? I don't see any requests from the floor, so... Je ne vois pas d'autres demandes d'intervention. Accordez-moi un instant afin que je sois bien sûr d'avoir pris bonne note des modifications. Right, thank you. Bien, merci, chers collègues. Un appui marqué a été exprimé pour cette résolution à l'annexe 1. Le secrétariat a proposé des modifications qui a reçu un certain appui, sauf pour le commentaire de la Chine qui souhaitait supprimer la référence aux racines and roots. Donc, je pense que cela convient. Des amendements ont été portés au projet de résolution à l'annexe 1 par l'Union européenne, avec un amendement par la suite proposé par la Nouvelle-Zélande, qui a rendu ce texte plus simple et plus clair. Nous avons eu des échanges, notamment sur les méthodes vérifiables pour la distinction entre les spécimens prélevés dans la nature et les spécimens élevés en captivité. Les États-Unis et la Suisse ont souhaité garder cette partie, tandis que l'Indonésie souhaitait biffer ce libellé. À la lumière des commentaires des États-Unis et de la Suisse, et j'avais noté que le coprésident du comité pour les animaux a déclarer que les méthodes évoluaient sans cesse. Et donc, à la lumière de cela, est-ce que l'Indonésie, vous serez disposé à accepter le texte d'origine? Merci, Monsieur le Président. L'Indonésie peut accepter le L'Indonésie peut accepter la suggestion des États-Unis et de la Suisse. Merci. Merci à l'Indonésie. Les décisions à l'annexe 2 sont donc recommandées pour adoption. Il me semble que nous sommes également tenus de supprimer la série de décisions qui ont été appliquées. 1835 à 1839. Et je souhaitais procéder à une dernière vérification auprès du secrétariat.
Bien. Et si ce n'était pas clair, je souhaite le répéter. Nous suggérons une adoption avec les modifications apportées par l'Union européenne au paragraphe du préambule. Je pense que tout est bon et nous pouvons mettre un terme aux discussions sur ce point et passer au document 44.2. Il s'agit de l'identification des bois et autres produits du bois. C'est un document qui nous a été soumis par le comité pour les plantes. Je suppose donc que c'est Madame la présidente du comité pour les plantes qui va se charger de la présentation de ce document. Si tel est le cas, c'est le Gabon qui a la parole. OK. Monsieur le Président, à sa 18e session, la conférence des parties a adopté les décisions 1840 à 1843 et a renouvelé la décision 1658, REVCOP 18, identification des bois et autres produits du bois. Ces décisions, à l'adresse des parties, du comité pour les plantes et du secrétariat, portent sur les matériels d'identification du bois et autres produits du bois. Le groupe de travail irrelatif établi en intersession a soumis à la 25e session du comité pour les plantes des documents détaillant les progrès accomplis en matière d'application des décisions mentionnées précédemment, ainsi qu'une compilation des ressources d'identification des bois mises à jour par le secrétariat sur la base du document d'information PC25-11. Sur la base des recommandations de ce groupe de travail, le comité pour les plantes a également demandé au secrétariat, en étroite collaboration avec le comité pour les plantes et les spécialistes concernés, de publier sur la section pertinente de son site web les ressources d'identification du bois ainsi mises à jour. Par ailleurs, dans son rapport à la 74e session du comité permanent, le secrétariat a noté que certains des résultats de l'équipe spéciale sur le commerce illégal des spécimens d'espèces d'arbres inscrites à la CITES, mise en place par la décision 1879, pourraient être pertinents pour les activités du comité pour les plantes. La conférence des parties est invitée à adopter les projets de décision figurant en annexe 1 du document COP 19 DOC 44.2. Monsieur le Président, avant de rendre la parole, je souhaiterais que les États-Unis puissent intervenir au titre de coprésident du groupe de travail, ainsi que le Canada qui souhaite présenter le document COP 19-1-97 qui inclut les amendements de la région Amérique du Nord. Je vous remercie. Thank you, Chair of the Plant. Merci, Madame la Présidente du Comité pour les plantes. C'est avec plaisir que je donne la parole aux États-Unis, suivi par le Canada des États-Unis. Merci, Monsieur le Président. Avec les nombreuses propositions d'espèces de bois recommandées pour inscription, nous savons que plus que jamais, ce document est nécessaire, notamment pour les nouvelles inscriptions. C'est pourquoi les États-Unis apportent un appui fort à ce travail essentiel pour l'amélioration de l'identification de bois et de produits de bois pour les espèces d'arbres inscrites à la CITES. En tant que coprésidente du groupe de travail intersession sur l'identification du bois et des produits du bois, nous souhaitons ici faire un rappel. Le rapport qui a émané de la 25e session du comité pour les plantes a estimé qu'il fallait effectuer davantage de travaux pour mettre en application les décisions
qui avait été émise par les parties lors de la 18e réunion de la conférence des parties. Et la région Amérique du Nord a proposé des décisions révisées qui se trouvent dans le document d'information 97 à cette fin. Ces décisions viendront prolonger le mandat du groupe de travail d'identification du bois et s'appuiera sur les progrès qui ont été effectués à ce jour. Ce travail sera éclairé par le comité pour les plantes en coopération étroite avec le secrétariat et les experts pertinents. Les projets de décision ici visent à l'établissement d'un point focal par le biais du comité pour les plantes afin d'avoir un effort plus coordonné en rassemblant les travaux d'identification du bois qui ont eu lieu au titre d'autres points à l'ordre du jour, tels que l'équipe spéciale sur le commerce illégal de spécimens d'espèces d'arbres inscrites à la CITES, mais aussi la liste d'Alberja et le un recueil numérique développé comme faisant partie du projet FAO CITES sur les espèces d'arbres inscrites. Si le président est bien d'accord, nous souhaiterions donner la parole à nos collègues du Canada pour présenter les projets de décision figurant au document d'information INF 97. Merci. Merci aux États-Unis, le Canada. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole pour ce faire, la présidente du comité pour les plantes l'a évoqué dans ses propos liminaires et je donne maintenant la parole au Canada pour ses suggestions. Merci, Monsieur le Président. Nous souhaiterions remercier le comité pour les plantes et les coprésidents du groupe de travail et le secrétariat. C'est ce qui nous a permis d'avancer sur les matériels d'identification du bois. C'est une question difficile. Nous pensons en tant que Canada que nous pouvons faire plus sur l'identification du bois au-delà du recueil de ressources sur l'identification du bois. Nous pensons qu'il est important que la Convention réponde à ces défis complexes en matière d'identification des espèces d'arbres inscrites aux annexes de la CITES. Je vais maintenant donner lecture des projets d'amendement tels qu'ils se trouvent dans le document d'information 97. Donc 19AA à l'adresse du secrétariat. Le secrétariat, en coopération étroite, nous ajouterions close, étroite, avec le comité pour les plantes. Ça, c'est la première phrase, premier amendement. Nous ajouterions un petit A, nouveau petit A, qui s'énoncerait comme suit. Examine l'utilité, le caractère pratique du recueil en ligne et formule des recommandations sur son développement, point virgule. Puis, le petit A d'origine deviendrait le petit B et nous ajouterions, sur la base des résultats de cet examen, et le reste du paragraphe demeure inchangé, le petit B devient le nouveau petit C et demeure en l'état. Le petit C devient le petit D et demeure inchangé. À l'adresse des parties 19BB, à la fin, après décision 19.AA, nous ajouterions et 19.CC. Puis à l'adresse du comité pour les plantes 19CC, cela s'énoncerait comme suit. Le comité pour les plantes, en collaboration avec les parties prenantes pertinentes et s'appuyant sur les informations d'initiatives existantes et sur les progrès effectués à ce jour, nous ajouterions un nouveau petit A. Élabore un plan pour établir des priorités pour les espèces d'arbres inscrites à la CITES afin de pouvoir concentrer les efforts mondiaux sur le développement et le partage de bases de données et d'outils de référence pour l'identification. Cela inclut des campagnes de collecte d'échantillons pour des échantillons de référence agréés. Petit B, faire de la contribution au développement de matériel d'identification pour les Dalbergia une priorité, tenant compte des progrès
qui sont décrits dans le document PC 25 DOC 34 et la liste d'Albergia telle qu'inclue dans la résolution conf 12.11 REVCOP 19. Accorde de l'attention au matériel d'identification de première ligne afin d'appuyer la différenciation entre les espèces semblables qui pourraient ne pas présenter de préoccupations d'un point de vue de la conservation. Petit C, nouveau petit C, élaborer une liste de techniques et d'outils disponibles qui peuvent être utiles pour identifier certaines espèces d'arbres inscrites à la CITES et leurs espèces semblables. Point virgule. Nouveau petit D, ce serait donc la reprise du petit paragraphe A de 18 de la décision 1840. Il s'énoncerait comme suit. Déterminer les lacunes et les complémentarités existantes entre les sources de connaissances et d'outils pour l'identification du bois tels que les guides d'identification et clés de détermination de terrains existants et déterminer leur disponibilité et leur utilité. Point virgule. Petit e, ce petit e émane également de l'ancienne décision 18.140. Le petit b, en l'occurrence, élabore des modèles normalisés pour le relevé d'informations et d'autres outils pouvant être utilisés par les parties afin de faciliter le partage d'informations sur le contenu et l'état des collections d'échantillons de bois, virgule, et les échanges avec des instituts de recherche, virgule, les agences de lutte contre la fraude et d'autres organismes, point virgule. Le nouveau petit F reprend le petit D de la décision 1840, définit des méthodes propres à stimuler l'échange entre les parties des meilleures pratiques en matière de technologie d'identification des bois au niveau mondial, régional et national. Virgule. Et là, nous ajouterions, comprenant les enseignements tirés des activités de renforcement de capacité en matière d'identification du bois, point virgule, et un nouveau paragraphe petit g, ce serait le petit a qui avait été proposé à l'origine à l'annexe 1, en sachant qu'en début de phrase, nous ajouterions « examine le caractère utile et pratique du recueil en ligne » et formule des recommandations sur son développement. Et puis, le reste du paragraphe petit a d'origine demeure inchangé. Le petit b de l'annexe 1 devient le petit h. Nous le maintenons en l'état. Et après les espèces après donc les espèces d'arbres inscrites à la CITES, nous ferions référence à l'annexe 1. Nous remplaçons le petit c avec le paragraphe i, which reads donc fait rapport auprès du comité permanent, selon qu'il convient, sur les avancées effectuées et fait rapport de ses conclusions et de ses recommandations pour examen par la conférence des parties lors de sa 20e réunion. Point. Pour 19 DD, cela demeurerait en l'état. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Canada, for the... Merci au Canada. Merci pour ces modifications présentées de manière très complète. J'espère que les parties ont pu bien comprendre et assimiler tous ces changements.
Je donne la parole sur les projets de décision à l'annexe 1 et je vous donne également la parole pour les commentaires sur les modifications telles que proposées par le Canada. Et j'aimerais à mon tour remercier le groupe de travail qui a produit ce document et ce travail. Le Mali, puis le Cameroun. Le Mali. Merci bien, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais m'appuyer surtout sur l'intervention qu'a faite le Gabon par le biais de Madame Flore pour dire que nous soutenons justement le document qui a été présenté. Merci bien, Monsieur le Président. Thank you. Merci au Mali. Je suppose que votre appui s'exprime pour le document tel que soumis à l'origine. D'accord, merci. Je donne la parole au Cameroun, suivi par le Royaume-Uni. Merci, Monsieur le Président. Le Cameroun félicite déjà les initiateurs de ce document. Et nous voulions faire une toute petite observation au niveau de la décision annexe 1 pour dire que c'est bien... bien dit dans le titre, identification des bois et autres produits du bois. Mais dans les éléments de la décision, en la 19AA, cette spécificité n'apparaît plus. Parce que dans beaucoup de nos pays, peut-être c'est une question de langue, nous différencions beaucoup l'agrume et le produit en grume. Donc j'aimerais que partout il y a identification des bois, qu'on ajoute l'identification des bois et des produits en bois, pour que cela soit plus clair comme ça. Merci, Monsieur le Président. Thank you. Merci, le Cameroun. Donc, ce serait une modification qui interviendrait au 19AA petit A, puis petit B. Mais je crois que nous ne retrouvons plus cette expression ailleurs. Merci pour cette suggestion de modification. Nous en avons pris bonne note. Je donne la parole au Royaume-Uni, suivi par l'Inde. Merci, Monsieur le Président. Le Royaume-Uni souhaiterait remercier le Comité pour les plantes et le secrétariat pour leur travail sur l'identification du bois depuis la COP18. Nous souhaiterions saluer le secrétariat pour le travail qui a été effectué avec la mise en ligne de l'outil d'identification. Nous pensons que c'est là une première étape de franchie dans le cadre d'un processus plus long qui permet une meilleure application des dispositions CITES pour les espèces de bois. Nous sommes d'accord avec les recommandations qui figurent dans le document d'information 97 et nous appuyons les projets de décision et les révisions proposées. Cependant, nous avons des modifications mineures à apporter à 19CC au sein du document INF 97. Nous pensons que cela va encore mieux cibler le mandat du groupe de travail et lui permettra d'avancer de manière plus importante. Et donc, si vous le voulez bien, Monsieur le Président, j'aimerais soumettre cela à l'attention des parties. Allez-y. Donc, 19.cc, le comité pour les plantes, petit b. Le nouveau paragraphe s'énoncerait comme suit. Faire du développement du matériel d'identification pour les espèces de Dalbergia une priorité, tenant compte des progrès vis-à-vis du document PC 25 DOC 34 et le document COP 19 DOC 84.1 et accordant une attention au matériel d'identification de première ligne afin d'apporter une assistance pour la différenciation d'espèces semblables qui ne présentent pas une préoccupation relative à la conservation. Petit C, développe, met au point une liste de techniques et d'outils disponibles et évalue leurs normes et leur utilité pour une identification spécifique aux espèces et pour la lutte contre la fraude pour les espèces d'arbres inscrites à la CITES et leurs espèces semblables. Petit D, nous proposons, détermine les lacunes dans les sources de connaissances actuelles pour l'identification du bois de la CITES et détermine les lacunes en matière de disponibilité et d'utilité et tient compte des difficultés et des ressources nécessaires afin que ces outils soient
disponible dans une meilleure mesure au parti de la CITES. Et puis, petit g, examine le caractère utile et pratique du répertoire numérique et formule des recommandations sur le développement de celui-ci afin de pouvoir faire rapport de l'application de la décision 19AA. Merci. Ou plutôt pour éclairer une application de la décision 19AA. Merci. I'm going to give here intervention. Alors, trois parties demandent la parole, l'Inde, la Chine et l'Union européenne. Je vais donner la parole à ces parties avant d'essayer d'esquisser une conclusion. Tout cela devient très compliqué. L'Inde, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. L'Inde se félicite des travaux qui ont été effectués par le Comité pour les plantes et le groupe de travail intersession. Nous prenons bonne note du document d'information 97 qui a été soumis par le Canada, les États-Unis et le Mexique, qui a trait au document 44.2 sur l'identification du bois et des produits du bois. Ici, nous soulignons la nécessité urgente d'avoir des outils d'identification, notamment pour les espèces d'arbres qui ne présentent pas de préoccupations majeures d'un point de vue de la conservation et qui ont trait aux moyens d'existence des communautés. Nous appuyons cette proposition. Cela étant dit, nous souhaiterions inclure un ajout après les mots conservation ou préoccupations relatives à la conservation à la fin du petit b du 19cc, tel que d'Albergia Sissou. Merci. Thank you. Merci à l'Inde. Captured that, your insertion. Je pense que nous avons pris bonne note de votre commentaire 19cc petit b. C'est l'amendement qui a été proposé par le Canada, qui a été lu et que vous pouvez consulter par ailleurs en ouvrant le document d'information 97. La Chine, puis l'Union européenne. Et puis, nous passerons à une tentative de conclusion. Merci, Monsieur le Président. La Chine se félicite des efforts consentis par le secrétariat et par le Comité pour les plantes pour l'identification du bois et des produits de bois, et notamment pour ce qui est des ressources et des outils d'identification du bois et le site web qui a été mis en place. Nous appuyons les propositions avec les amendements du Canada. Nous allons collaborer avec le secrétariat, notamment pour partager des informations ayant trait à l'application de la décision 19AA. Nous avons également de nouvelles publications et de nouveaux outils d'identification pour les espèces d'arbres et les espèces semblables, afin que ce soit ajouté au site web. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Thank you. Merci à la Chine. Et je vais maintenant donner la parole à l'Union européenne. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'aimerais simplement vous demander de bien vouloir nous lire l'ajout proposé par l'Inde, s'il vous plaît. Oui, absolument, dit le Président. Dans les amendements tels qu'ils ont été lus par le Canada, 19cc, paragraphe B, je pense que c'est un nouveau paragraphe B, et ce paragraphe commence par prioriser contributions pour l'élaboration de matériel d'information d'espèces d'Albergia, et dirait ensuite, donc le texte à la fin dirait afin de contribuer à la différenciation des espèces semblables qui pourraient ne pas présenter de préoccupations en termes de conservation, telles que d'Albergia Sissou. Donc, l'ajout de l'Inde, c'est tel que d'Albergia Sissou.
Est-ce que cela aide l'Union européenne? Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est très utile. Mais en fait, je pense que l'on n'aurait pas besoin de cette référence à la fin à Dalbergia sissu, puisqu'on a déjà parlé des espèces d'Dalbergia. Et si cela peut être utile, nous sommes d'accord avec l'ajout proposé par la région Amérique du Nord, le Cameroun et le Royaume-Uni. Bien, je remercie l'Union européenne. Je vais vous demander quelques instants, s'il vous plaît. Donc, nous avons eu de longues discussions, d'ailleurs assez complexes, en fait. Ah, les États-Unis. J'allais essayer de résumer. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie pour le temps consacré à ces questions et les États-Unis sont d'accord et seraient en mesure d'accepter l'ajout proposé par l'Inde. Et n'est pas d'accord avec l'UE sur ce point. Je vous remercie. So going. Donc. Comme je le disais, nous avons entendu un certain nombre d'amendements, ou un nombre certain d'amendements, de la part du Canada au nom de la région Amérique du Nord. Cela nous a été lu et été noté officiellement au compte-rendu. Cela a été de nouveau amendé par le Royaume-Uni. Puis, il y a eu les interventions de l'Inde, qui souhaitait ajouter une référence à Dalbergia sissu. Cela est appuyé par les États-Unis, mais pas par l'Union européenne. Alors, j'aimerais me retourner vers l'Inde pour savoir si vous insistez vraiment pour cette référence sur Dalbergia sissu. En fait, il y a 27 parties qui ne l'appuient pas. Il n'y en a que deux qui sont exprimées en faveur de votre ajout. Donc, si vous pourriez accepter de ne pas l'inclure, cela nous aiderait à aller de l'avant, je pense. Je vous remercie, Monsieur le Président. Comme cela a été indiqué, cette référence à Dalbergia sissu en tant qu'exemple, cela aiderait le Comité pour les plantes à avancer dans ses travaux. Donc, l'Inde, vous souhaitez conserver cette insertion, c'est ça? Donc, je me tourne vers l'UE. Est-ce que vous accepteriez cet ajout? Oui. Alors, au titre des critères pour l'inscription des espèces aux annexes de la CITES, nous dirons que cela répond néanmoins donc aux critères d'espèces semblables et donc cela représente une préoccupation en termes de conservation. Donc, nous pensons que de toute façon, cela est couvert dans l'ensemble du groupe de Dalbergia. OK. Bien, alors il va falloir qu'on trouve une solution. Je vous propose de passer à autre chose en attendant. Il y a eu d'autres modifications suggérées de la part du Cameroun pour que il s'agissait de modifications mineures aussi ailleurs. Donc, d'insérer
bois et autres produits du bois, mais globalement, il semble donc que il y a un soutien pour les suggestions formulées par le Canada pour l'Amérique du Nord, avec également les interventions du Royaume-Uni. Je vois que l'UE souhaite intervenir de nouveau. Vous souhaitez intervenir sur l'Albertia? Oui, effectivement. Si l'Inde souhaite cet ajout, cela ne nous pose pas de problème. Merci. Je remercie l'UE pour votre flexibilité. Donc, je pense que, alors dans d'autres circonstances, si nous ne traitions pas de ce document aussi tardivement, mais ça, c'est aussi le fait que ça a été transféré du programme de travail du comité de notre programme de travail, et avec les différents retards, on aurait peut-être envisagé, sinon, un groupe de travail ou un groupe de rédaction, mais ça n'est pas possible. Donc, avec ces vastes amendements, et je l'ai noté initialement, donc je pense que c'est le Mali et d'autres donc ont appuyé, enfin, on fait référence donc au texte initial. Mais je m'adresse au Mali. Vous avez entendu en fait tout le soutien exprimé pour les modifications proposées par l'Amérique du Nord. Est-ce que vous êtes prêt à les accepter? Oui? Très bien. Je vous remercie. Donc, avec tous ces amendements qui ont été formulés, alors le secrétariat va compiler tout cela dans un document que vous allez tous pouvoir examiner suffisamment tôt pour la plénière. Et je pense que nous pouvons ainsi clore le débat sur ce document 44.2. Je vous remercie pour votre coopération. Et je vous propose maintenant de passer au point 51, quota pour les trophées de chasse de léopard, Panthera pardus. Et je pense que c'est le président du comité pour les animaux qui va nous le présenter. Vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je présente ce document au nom du comité permanent. Lors de sa 18e session, la conférence des parties a adopté les décisions 1865 à 1870 sur les quotas pour les léopards. Le secrétariat a écrit au pays qui n'avait pas été en mesure de fournir des informations pertinentes au cours de la période précédente, à savoir le Botswana, la République centrafricaine et l'Éthiopie. Lors de la 31e session du comité pour les animaux, les réponses de ces trois pays pourraient être examinées. Le comité pour les animaux est convenu d'informer le comité permanent qu'il considère les quotas de léopards pour la République centrafricaine et le Botswana, comme mentionné dans la résolution CONF 10-14 REF COP 16, comme étant fixés à des niveaux qui ne sont pas préjudiciables à la survie de l'espèce dans la nature. Le comité est convenu par ailleurs d'informer le comité permanent que pour l'Éthiopie, il considère que la réduction proposée du quota pour les léopards dans la résolution CONF 10.14 REV COP 16 de 500 à 20 trophées comme étant fixée à des niveaux qui ne sont pas préjudiciables à la survie de l'espèce dans la nature. En outre, le comité pour les animaux a rappelé que lors de sa 70e session, le comité permanent est convenu de proposer à la conférence des parties des projets d'amendement à la résolution CONF 10.14 REV COP 16 afin de supprimer les quotas pour le Kenya et le Malawi de cette résolution à la suite de la demande présentée par ces deux pays, voire le compte rendu du comité permanent. Cependant, lors de la COP 18, cette question n'a pas été portée à l'attention du comité 1 et la suppression proposée des quotas du Kenya et du Malawi n'a donc pas été convenue puisque cela n'avait pas été proposé. Lors de sa 74e session, le comité permanent a avalisé les recommandations du comité pour les animaux et invite donc la conférence des parties à amender le paragraphe 1 de la résolution CONF 10-14 REV COP 16 sur les quotas pour les trophées de chasse et les peaux de léopard à usage personnel en modifiant le quota indiqué pour l'Éthiopie, donc de 500 à 20, et en supprimant les quotas pour le Kenya et le Malawi. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie le Président du Comité pour les animaux pour cette introduction.
Et comme toujours, je donne la parole aux partis. Et je vois le Niger, puis le Mali. Merci bien, Monsieur le Président. Donc, nous dirons que la COP18 a convenu d'un ensemble de décisions sur les quotas pour les trophées de chasse aux léopards. La décision 1869 invite le secrétariat en coopération avec les États de l'ordre de répartition et les experts concernés à élaborer des orientations sur le développement d'avis de commerce non préjudiciable pour le commerce des trophées de chasse aux léopards. Nous sommes inquiets de constater que de telles directives n'ont pas été élaborées. Dans le même temps, les quotas d'exportation pour les léopards restent élevés. Les articles scientifiques critiquent le fait que les quotas n'ont pas de fondement scientifique et sont fondés sur des méthodologies inexactes. Nous demandons donc instamment à cette conférence des parties d'envisager de suspendre tous les quotas jusqu'à ce que les orientations sur les avis de commerce non préjudiciables soient terminées et que le comité des animaux et le comité permanent aient eu l'occasion de les examiner. Merci, Monsieur le Président. Thank you. Je remercie le Niger et je donne la parole au Mali puis à l'Union européenne. Merci bien, Monsieur le Président. Comme l'a souligné mon voisin du Niger, la situation des populations de léopards dans nos États est très critique. Monsieur le Président, les décisions 1865 à 1870, il était question d'examiner les informations soumises par les États de l'aire de répartition des léopards concernés, de faire des recommandations aux partis et au secrétariat lors de la COP19. Monsieur le Président, la chasse aux trophées reste un facteur important du déclin de certaines populations. On a une population relique entre le Mali et la Guinée, quelque part entre le Mali et le Sénégal. Et nous avons remarqué qu'aujourd'hui, il y a une forte pression sur cette espèce dans ces limites-là. Du coup, nous savons très bien que le braconnage constitue un facteur très important, non pas seulement par les populations locales, mais surtout par des gens qui viennent d'ailleurs. À cet effet, alors, la décision 1869 sur le développement d'orientation par les SCP, on pourrait dire aussi que, Monsieur le Président, ça n'a pas été résolu. Il faut que cela se fasse. Du coup, il est urgent de revoir la question durable des populations de léopards, tant au niveau national qu'international. Et nous remercions justement, Monsieur le Président, le comité permanent et le comité pour la faune, pour avoir fait un très bon travail et qui pourrait nous permettre justement d'étudier cette question de quotas. Je vous remercie bien, Monsieur le Président. Thank you. Je remercie le Mali et je donne la parole à l'Union européenne, puis à l'Éthiopie. Je vous remercie, Monsieur le Président. L'UE et ses États membres appuient le projet de décision présenté par le comité permanent. Par ailleurs, nous considérons qu'il est nécessaire de procéder à des examens et évaluations régulières pour évaluer la dynamique de la population. C'est pourquoi nous proposons les deux amendements suivants aux décisions proposées par le secrétariat telles qu'énoncées dans le document de travail 51 à la page 3. À la décision 1866, après, sont encouragés à... Nous souhaiterions ajouter mener des études régulières, virgule, ajuster les quotas comme approprié et on poursuivrait. Donc, globalement, le texte dirait toutes les parties ayant des quotas pour les trophées de chasse de léopards établis en vertu de la résolution CONF 10-14, REVCOP 16,
sont encouragés à mener des études régulières, à ajuster les quotas comme approprié et à échanger des informations et expériences sur les processus permettant de déterminer que de tels quotas ne sont pas préjudiciables à la survie de l'espèce dans la nature. Deuxième ajout, décision 18-168, après le comité pour les animaux examine, on souhaite ajouter sur une base régulière comme approprié. Donc, la décision dans son ensemble dirait le comité pour les animaux examine sur une base régulière et comme approprié toutes les informations soumises par le secrétariat en vertu de la décision 18.169, REFCOP 19, et fait des recommandations au secrétariat et aux états de l'aire de répartition du léopard, le cas échéant. Je vous remercie. Je remercie l'Union européenne et je donne la parole à l'Éthiopie, puis au Kenya. Je vous remercie, Monsieur le Président. L'Éthiopie remercie le secrétariat d'être allé de l'avant pour ce qui est de la décision 18-165 demandant aux États de l'aire de répartition de revoir leur quota de chasse de léopards comme indiqué dans la résolution CONF 10-14-REFCOP 16, afin de déterminer si ce niveau est non préjudiciable à la survie de l'espèce dans la nature. Nous apprécions également le travail réalisé par le comité pour les animaux qui a examiné les informations soumises par l'Éthiopie et qui justifie effectivement de fixer le quota à un niveau qui serait non préjudiciable pour la survie de l'espèce dans la nature. Par conséquent, l'Éthiopie appuie pleinement l'adoption des recommandations avalisées par le comité permanent lors de sa 74e session, ainsi que les observations du secrétariat à l'adresse des parties, du comité pour les animaux et du secrétariat. Je vous remercie. Je remercie l'Éthiopie et je donne la parole au Kenya puis au Japon. Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous remercions le comité permanent d'avoir préparé ce document. Le Kenya n'a pas délivré de permis de chasse pour le léopard depuis de nombreuses années. Donc, nous serons ravis de voir l'élimination du quota pour le Kenya. Monsieur le Président, il y a des incertitudes importantes pour ce qui est du statut de la population de léopards. Néanmoins, les chiffres de quotas continuent d'être fixés sur la base d'informations dépassées ou peu fiables sur les populations en utilisant des méthodologies qui ne sont pas précises. Les études scientifiques récentes ont mis en lumière les dommages subis par les populations fragiles de léopards du fait de prélèvements sélectifs pour des trophées de chasse. Nous notons également que la décision 18-169 à l'adresse du secrétariat pour que soient élaborées des orientations pour aider les parties à élaborer des ACNP pour les trophées de chasse de léopards. Cela n'a pas été mené à bien. Donc, nous encourageons les parties à accepter un système d'examen beaucoup plus régulier pour ce qui est des trophées de chasse de léopards mené par le comité pour les animaux. Nous pensons que cela devrait avoir lieu au cours de chaque période intercession et devrait également y avoir un enregistrement, effectivement, des permis délivrés en attendant que ces décisions soient mises en œuvre. Et nous sommes également d'accord avec les amendements suggérés par l'Union européenne, car il est très important d'avoir des quotas sur la base des résultats des comptage récent. Merci. Je donne la parole au Japon, puis à la Namibie.
Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous appuyons la recommandation dans le document actuel avec l'amendement de l'UE. Nous saluons les efforts des États de l'aire de répartition qui ont préparé des informations pour l'examen des quotas avec des discussions au sein du comité pour les animaux avec les États de l'aire de répartition. Nous pensons que ces communications permettent d'établir des quotas sur les meilleures données scientifiques disponibles en comprenant bien la situation de la population. Une bonne gestion et une bonne gouvernance peuvent avoir une incidence positive sur la conservation de l'espèce et sur les moyens d'existence des populations. Et nous espérons que ce mécanisme continuera de bien fonctionner pour avoir effectivement des effets positifs par rapport aux trophées de chasse. Merci. Merci, le Japon. Et je donne la parole à la Namibie, puis à la République centrafricaine. Je vous remercie, Monsieur le Président. La Namibie remercie le comité permanent d'avoir soumis ce document 51. Nous sommes d'accord avec les recommandations du comité permanent pour que soit amendée la résolution CONF 10-14. Nous sommes d'accord avec les observations du secrétariat au paragraphe B et C sur les décisions pertinentes. Et avec les amendements proposés par l'UESA, nous devons encore l'examiner pour ce qui est du quota de chasse pour le Botswana. Nous sommes d'accord avec la conclusion du comité pour les animaux. C'est un quota durable et donc son niveau actuel devrait être maintenu. Je vous remercie. Je remercie la Namibie et je donne la parole à la République centrafricaine, puis au Botswana. Merci, Monsieur le Président. La République centrafricaine est l'une des parties ayant des quotas pour les trophées de chasse et des peaux de léopard. Et en 2020, elle a établi un ACNP qui a été soumis au comité pour les animaux à la 31e session relative à la résolution CONF 10.14 révisée COP 16. Et ce ACNP montre clairement que ces quotas ne sont pas fixés à un niveau non préjudiciable à la survie de l'espèce dans la nature. De ce fait, la RCA félicite d'abord le comité permanent à travers le comité pour les animaux et appuie ce document et les recommandations faites par ce comité ainsi que les observations du secrétariat et appuie les recommandations de l'Union européenne. Monsieur le Président, je vous remercie. Je remercie la République centrafricaine et je donne la parole au Botswana, puis à la Gambie. Je vous remercie de me donner la parole, Monsieur le Président. Le Botswana remercie le comité permanent pour ce document 51. Globalement, le Botswana est d'accord avec le texte dans les décisions du document. Comme indiqué au paragraphe 3 et 4 du document, le comité pour les animaux et le comité permanent estiment que les quotas du Botswana n'est pas préjudiciable au léopard au Botswana. À cet égard, le Botswana continue d'améliorer les fondements scientifiques pour la gestion des léopards. En 2022, nous avons démarré une enquête pour examiner de façon systématique la répartition géographique des léopards au Botswana et déterminer la densité dans des zones d'échantillonnage avec des études de capture, marquage et recapture avec l'aide de caméras. Et après la Namibie, c'est l'un des rares pays qui ait mené ce type d'études en Afrique. Cette étude impliquera les communautés locales et d'autres parties prenantes afin de refléter leurs aspirations. Nous sommes sur le point de terminer la première phase de cette étude dans la région nord du pays. Nous allons le déployer dans d'autres régions. Par ailleurs, nous finalisons un plan de gestion de léopards 2023-2028 élaboré selon une approche ascendante avec les parties prenantes. Nous attendons l'approbation de l'exécutif pour un lancement au premier trimestre de 2023. Ce sera l'un des premiers plans d'action de gestion à l'échelle du pays élaboré pour les léopards dans le monde entier. Le Botswana a de l'expérience en termes de gestion des léopards et nous partageons cette expérience
cela dans le cadre du document 65, information 65. Donc, et sur la base de l'expérience du Botswana et d'autres États de l'aire de répartition, en particulier en Afrique australe, nous proposons la suppression du nouveau point B, décision 18169, car la CONF 10-14, REVCOP 16, donne pour instruction à l'adresse donc du secrétariat de faire rapport sur les lacunes dans le système ou les cas de préoccupation au comité permanent et aux parties concernées, le cas échéant. Donc, nous définissons déjà les quotas de léopards sur la base d'un processus scientifique réalisé par le comité permanent et le comité scientifique. Donc, s'il y a des insuffisances du processus, le secrétariat devrait d'abord élaborer un rapport pour identifier donc ces lacunes ou insuffisances, comme cela est dit au point 2 donc, de cette résolution CONF 10-14 REVCOP 16. Et c'est alors qu'on pourrait envisager donc des orientations. Donc, à ce stade, à notre, pour autant que nous sachions, il n'est pas nécessaire d'avoir ce type d'orientation et l'adoption de cette décision serait l'équivalent à gaspiller les ressources limitées dont dispose le secrétariat. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci au Botswana. Si vous voulez bien me donner donc un instant, car nous nous rapprochons de l'heure du déjeuner. Thank you. We're 2 minutes. Donc, il nous reste 2 minutes avant le déjeuner et il y a encore une longue liste de demandes d'intervention. Donc, nous n'allons pas pouvoir terminer sur ce point dès maintenant. Je vous propose donc de suspendre l'examen de ce point pour faire la pause déjeuner. Je vais demander aux techniciens de bien vouloir conserver la liste telle qu'elle s'affiche. Je n'ai pas encore donné la parole aux observateurs, donc j'ai pris une photo aussi, une capture d'écran en quelque sorte. Donc maintenant, je vois la liste des parties qui demandent à intervenir. Donc ainsi, et donc sachant que là il est midi, je vous propose de faire la pause déjeuner. Après la pause déjeuner, nous allons clore ce point de l'ordre du jour et nous allons poursuivre avec les propositions d'inscription. Là où nous étions interrompus hier soir, nous allons également examiner les com-doc que nous devons encore examiner. Donc, je déciderai après le déjeuner de l'ordre. Mais enfin, voilà, notre ordre du jour, tout ce qui reste, les propositions d'inscription que nous n'avons pas encore examinées, les com-doc que nous n'avons pas examinées, nous allons clore également ce point de l'ordre du jour. Un dernier point que j'avais omis pendant les discussions sur le document 44.2 et qui devenait quelque peu complexe. Et de ce fait, j'avais aussi oublié qu'il fallait supprimer certaines décisions 1840 à 143 et les décisions 16 à REVCOP 18, puisque cela a été mis en œuvre ou reporté dans la nouvelle série de décisions proposées. Donc voilà, désolé d'avoir omis ces éléments et je vous propose de faire la pause déjeuner maintenant. Merci.